L'armée Ourila. Elle est passé mon frère. Il a affronté dans la vidéo pour pas que 10 salles des gens là viennent filer mon corps. Alors, voilà, on va anticiper ça. Sentir dans la vidéo. Yo, 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 yo
you. Only you, only you. Only you, only you. Only you, only you. Only you, only you. What the fuck? Ah, on n'aime pas ça. Bon, excusez-moi. Du désagrément. Voilà, ici un gars, ici désordonné. Cherche ma clé. Cherche ma clé. Putain, là. Il n'a pas dit ça. Bon, ça va gâter. On va trouver la clé. Voilà. Créamo Kodora Mouadou, ça comment les marrons. Fifi Pétou. Alors on salue un peu parce qu'on dit au moins il ne salue pas les gens. On va saluer. Dieu merci, c'est comment 33 ans, Hakim Lee, Jean-Marie Touboui, Kater, Sanogo, Rapchat, Dominique Awana, Dramanefa, la légende de Jésus, Anot, le vilain, vilain nom, Chikman, Shin Faba, Shin Ho, Ho Ho, Stefano, Axel Balio, Estelle Estello, Solo Konateo, Bondiere Drissao, Kumsi Sej. Bon, voilà, on s'arrête sur Kumsi Sej. Il me semble, Bondiere, il me semble que ta nouvelle mission, c'est d'attaquer les Pogbabo. Ma nouvelle mission, c'est pas d'attaquer les Pogbabo. Voilà, c'est de dire la vérité aux Pogbabo. Voilà. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. Bienvenue sur le direct de monsieur le ministre. Alors, aujourd'hui, c'est un ministre. Un ministre lambda. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour m'adresser aux militants et sympathisants de mon idéal politique. Pas ma famille politique, parce que moi, il n'y a pas de parti politique. Voilà. Moi, si je dois avoir un parti, c'est pour Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je milite pour les droits du peuple. Voilà. Voilà. Ça, c'est ma mission, ça. Je ne peux pas m'assigner. Je ne peux pas appartenir à un parti politique parce que je ne vais pas être un menteur. Voilà. Les politiciens, c'est des menteurs. Tout le monde sait ça. Voilà. Ils sont là pour nous manipuler. Ils sont dans la manipulation. Voilà. C'est ça. Nous, on a compris ça depuis longtemps. Mais comme c'est un jeu, on est obligé d'être avec eux. Dans ce jeu-là. Sinon, non, c'est que c'est mensonge. La preuve, on dit gouvernement. Gouverne qui nous ment. C'est ce que ça veut dire. Quand on est dans le gouvernement de 30 ans, mais un gouvernement, le nom l'indique, gouverne qui nous ment. Le gouvernement ment. Gouverne pour mentir. Voilà. La preuve qu'un gouvernement promet. Non, on va vous donner des écoles, 16 écoles. Il n'y a pas école. Il y a un gouvernement qui a dit 5 universités. Il n'y a pas université. Ils ont commencé à mettre peinture. Voilà. Donc, gouvernement, le nom l'indique, c'est les menteurs. Donc, si on vous promet que ce n'est pas réalisé, ne vous fâchez pas, parce que le nom l'indique même. On dit gouvernement. Ils sont là pour mentir. Voilà. Gouvernement. Gouvernement. Voilà. Celui qui gouvernement. Donc, si on te promet 10 écoles, quand on envoie 2 écoles, ne te fâche pas pour dire, mais pourquoi le gouvernement a promis 2 écoles, 10 écoles et puis envoie 2. Non, mais le nom l'indique, on t'a prévenu. On est là pour mentir. Alors, ça, c'est le nom même. C'est le nom même du gouvernement. C'est l'étymologie propre même de ce nom-là. Gouvernement, là, c'est le nom qui est là. Voilà, donc, ils sont là pour mentir. Les politiciens, c'est des menteurs. Eux, tous, c'est des menteurs. Voilà, mais il y a les autres qui abusent un peu. Eux, là, ils abusent même. Sinon, qui ne ment pas? Tout le monde ment. Mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas faire de ça ton travail. Il ne faut pas tromper les gens. Voilà, c'est ça. Donc, ici, devant vous, monsieur le ministre, dessin animé. Voilà, politologue de son état. Parce que moi, mon métier, c'est être politologue. Alors, je suis consultant politique. Par contre, les présidents, là, c'est pas, président, ce n'est pas une fonction. Voilà, je suis président, mais c'est quoi ta fonction? Voilà. C'est quoi ton métier? Alors, il y a deux qui n'ont pas de métier. Ils prennent président comme métier. Non, ici, le président, c'est un métier.
Être président, ce n'est pas un métier. Moi, je suis ici président. Mais c'est quoi mon métier? Voilà. Il y a d'autres présidents qui n'ont pas de métier. Voilà. Or, quand tu es un président, donne l'exemple, il faut avoir un métier. Là, le jour que tu n'es plus président, tu allais faire ton métier. Obasanjo, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, lui, c'est un fermier. Voilà, lui, c'est un fermier. Quand il a fini son mandat, il est retenu à sa ferme. Actuellement, il a 2 millions de têtes de poules qu'il vend à travers le monde. Voilà. L'autre, là, c'est un président aussi, à son métier. Mais lui, c'est un faux métier, parce que le métier même, en temps normal, quand tu es président, que tu es un bon métier d'économiste, voilà, la population doit savoir que vraiment, le gars, c'est un économiste. Mais, son métier d'économiste, ça s'appelle économiste. Parce que nous, ce qu'on appelle économiste, là, quand tu es petit, dans dit économiste, là, c'est quand tu parles là, des gens, et tu mets en caisse, là. Voilà. Donc, lui, c'est ça, son économie, là. Il prend des gens, et puis il met en caisse, dans boîte. Voilà, ici, c'est symbolisé par le POC. Le POC, là, les caisses, là. On prend l'argent, on met, voilà. Lui, c'est son économiste. Il s'endette et puis il garde pas devant lui. Lui, je te dis, c'est économiser. Économie, là, il faut faire en sorte que ta population sorte de la pauvreté. Mais eux, ce n'est pas le cas. On dit que c'est économiste, ils prennent l'argent, ils mettent dans les caisses. Eux, je te dis, c'est économiste. Mais ça, ce n'est pas l'économie. Voilà. L'économie, il faut mettre ta population à l'aise. Voilà. Moi, ce n'est pas le but de ma vidéo, puisque moi, je ne suis pas un économiste. Moi, je suis un politologue. Je suis consultant politique. Voilà, acteur de la société civile. Là, aujourd'hui, je suis dans ma tenue, ma chemise de ministre. Voilà, parce que quand on est panafricaniste, comme eux, ils portent des chemises, ils disent non, on est chose. On est quoi, on est panafricaniste, il faut consommer ivoirien. Mais quand il s'agit de se soigner, là, ils ne se soignent pas en Côte d'Ivoire, là, ils sont plus panafricanistes. Non, je ne suis pas un soignant en Côte d'Ivoire parce que là-bas, les infrastructures ne sont pas bonnes, je viens en Europe. Non, ce n'est pas deux par deux mesures. Quand tu arbores la tenue africaine et que tu distribues tes panafricains, porte les habits de chez toi. Voilà. Soigne-toi chez toi aussi. S'il n'y a pas d'hôpital, allez couper Écosse. Et puis vous pirichez. Ça va vous soigner. Moi, je ne viens pas en Europe pour dire non, on n'est pas africain. Il peut soigner en Europe. Voilà. Vous pouvez soigner en Afrique. Voilà. Soit au Maroc. Pays, c'est les Africains. Voilà. Donc, tu soignes au Maroc. Mais ceux qui sont panafricanistes, ils quittent l'Afrique. Ils viennent soigner en Europe. Ils disent qu'ils sont panafricains. Vous voyez, tout ça, c'est des politiciens. Et tout ça, c'est des menteurs. Voilà. Ceux qui disent, ils ne font pas ça. Consommer ivoirien. Consommer temps. Mais eux, ils portent veste. C'est pas notre tenue veste là. Voilà. C'est pour les occidentaux. Nous là, c'est les habits traditionnels, les boubous, les drekebas. C'est ça que notre tenue. Voilà. Donc, ceux qui viennent parler pour dire on est panafricaniste. Si tu es panafricaniste, il ne faut pas rouler une voiture. Faut te dépasser sur chameau. Ou bien, chose, je sais pas, sur cheval. Voilà. Ou bien, on fabrique un truc pour toi, comme pour les rois là. Les rois à Caen, porteurs là. Et puis, on te porte. Ça, c'est du panafricanisme. Voilà. Nous, le cas contraire. Il faut réduire ton train de vie. Voilà, faut pas rouler des voitures luxueuses. Voilà, par exemple, panafricain, il n'aime pas dépenser. Contraire, il se soucie de sa population. Thomas Sankara, il dormait sur lui, Pico, mais il était président. Sa voiture, c'était le Renault R4. Un autre président d'Afrique, là. Il a une voiture qui coûte même 2 millions de dollars. Voiture blindée. Pourtant, ils disent qu'ils sont panafricains. Et ils portent boubou, ils sont panafricains. Quand ils sont malades, et ils fuient, ils viennent se soigner ici. Non, mais si les panafricains se soignent en Afrique, ils ne soignent pas ici. Voilà. Et vous avez tous les moyens pour équiper vos hôpitaux. Mais tellement que vous êtes contre nous, on n'a pas compris ça, c'est maintenant qu'on comprend. Tellement que vous êtes contre nous, c'est nous on vous a mis au pouvoir. C'est nous on vous vote. Voilà, c'est nous, vous êtes nos manœuvres. Le président, c'est l'employé du peuple. Nous sommes vos employeurs. Mais qu'est-ce qu'on constate? Vous travaillez pour nous, au lieu de nous faire le point, vous cachez l'argent par devant vous, vous mettez dans vos caisses, vous économisez. C'est pour laquelle on vous appelle économiste. Sinon, moi, j'ai jamais vu vos diplômes d'économie, là, j'ai jamais vu ça. Voilà. Quand on tape sur Google, tu économises de quoi? On va pas voir ça, branche. Il vendait des cafés au FMI. Tout cela, on les voit rentrer au FMI. Donc, c'est dit que c'est l'économiste. Or, au FMI, il y a les branches. Il y a les gens qui scient. Il y a les gens qui font tant, tant. Bon, on prend l'exemple tête à tête. Voici un lycée. Tout le monde rentre au lycée, dans le lycée. Mais est-ce que tout le monde est dans la même classe? Jamais. Le lycée est là, du lycée, il est apprenti. Tout le monde est dedans. Hey, c'est au lycée, on est dedans. Mais est-ce qu'on est dans la même classe? Dans le lycée, il y a surveillant. Il y a fondateur, il y a 6e jusqu'à 3e, il y a 2e jusqu'à terminale. Donc c'est comme ça, FMI là. Tout le monde est dans FMI, on dit, on le voit, oh c'est FMI, mais. Les gens qui sont dans les coulisses. Il y a les gens qui sont dans les coulisses. Et ils sont dans les coulisses. Voilà. Donc je suis devant vous ce matin pour m'adresser à mes frères pour Gbagbo. Voilà. Depuis un certain temps, les gens. Les pro-Gbagbo et les gars,
Et ça donne à un spectacle désolant qui ne noie pas le président Laurent Gbagbo, voilà, notre leader. Parce que c'est pour Gbagbo, il peut dire notre leader. Voilà. Moi, c'est mon leader. Leader idéologique. Voilà, leader idéologique. C'est notre leader. Voilà. C'est grâce à lui qu'on a connu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Voilà, multipartisme, le fait d'avoir plusieurs partis en Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Laurent Gbagbo. Voilà. Farouche combattant. Voilà. L'homme même qui se sent dans le peuple. Donc il y a ses militants, ses sympathisants qui ont épousé son combat. Et lorsqu'il a été incarcéré injustement à La Haye, ils se sont immiscés pour militer afin qu'on puisse le libérer. Ce qui a valu les marches en répétition à La Haye, en Hollande, voilà, les manifs à Paris, à travers le monde, aux États-Unis, partout et j'en passe. Voilà. Depuis que l'État a quitté, ces mêmes militants aussi ont décidé de converger vers Bruxelles pour aussi faire des sittings, crier les ras-le-bol afin qu'on puisse libérer le leader. C'est de bonnes guerres. Voilà. Et c'est salutaire puisque les gens ont tout fait bloc autour du président Laurent Gbagbo. Mais on déplore. On a constaté que ces militants qui se réclament de l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo, ça donne à des invectives. Nous, on n'a jamais vu vidéo où Gbagbo insulte quelqu'un. On n'a jamais vu ça. Voilà. Mais les Gbagbo, depuis avant-hier, je sais pas, depuis la semaine passée, ça s'insulte ici, ça s'insulte là. Or, ils sont Gbagbo, hein. On prend un exemple tête à tête. On est dans une même équipe, équipe de Côte d'Ivoire, et puis on joue contre Mali. Et puis les joueurs de Côte d'Ivoire, eux, se battent sur le terrain. Et Atamina Choko, c'est le numéro 5. Mataba, elle est gardien. Elle se bat avec Atamina Choko. Mais si Mataba, qui est gardien, elle se bat avec Atamina Choko, il va venir marquer but. Ah, c'est terre à terre. Explication terre à terre. Mataba, elle est gardienne. Atamina Choko, lui, il est le numéro 5. Modo, lui, il est le 10. Ah, il est Koutien, il ne sait pas, lui, il joue quel rôle dans le match. C'est que celui, c'est, il est dans le jeu aussi. Bon, si tout ça, ils se battent là, est-ce que les prosoros là, l'Amira Blindé, il est très là, est-ce qu'ils vont pas venir marquer but? Ils vont venir marquer but parce qu'on est distrait. On est distrait, mais pourquoi être distrait? Mais pourquoi vous invectiver? Je ne comprends pas. C'est quoi votre souci au juste? Parce que vous voulez qu'on parle en parler. C'est quoi votre souci au juste? Ou le là, non, pour Gbagbo, non, on est gore. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, là. Le président Laurent Gbagbo, il n'a pas appelé quelqu'un. Voilà. C'est pour vous estimer il a été déporté injustement, raison pour laquelle vous militez pour sa libération. Sinon, on n'a pas appelé quelqu'un. Voilà. Il n'a pas appelé quelqu'un dans la mesure où, quand vous assimilez à son image, vous suivez son image. Parce que quand vous partez marcher là, on dit, oh, les probabos. Mais les gens, ils vous voient et vous adonnez à la sauvagerie comportementale. Ils diront que la troupe est à l'image du chef. Or que la troupe n'est pas à l'image du chef dans la mesure où Laurent Gbagbo ne vous a pas appelé, venez marcher pour moi. Voilà. Il a ses avocats, il ne vous a pas appelé. Si vous estimez que vous êtes fatigué, voilà, de marcher, vous êtes fatigué de lutter pour Gbagbo, mais arrêtez-vous. Mais ce n'est pas la peine de prendre son nom pour venir vous chiffonner sur la toile ici comme des enfants, comme des gamins. Vous insultez. Non, ça là, c'est là, ça là, diqué, ça là, diqué. Ça, c'est des enfantillages, ça. Ça, nous, on doit faire ça, nous, les militaires, là. Mais non, on ne fait pas ça. Vous qui êtes civilisés, les civils, qui êtes civilisés, voilà, qui évoluent dans le bon sens, pourquoi vous venez vous insulter et vous réclamez, oh non, on est pour Gbagbo, vous venez vous insulter, ça rime à quoi? Vous allez comprendre. Raclette ma gauche. Hein? Atamela Choko, Mataba, Eblan Modo, Aïle Koutien, et j'en passe. C'est quoi votre problème? Si vous êtes fatigué là, vous estimez que vous êtes fatigué de la lutte, hein? Enlevez votre masque de Probabo et appelez-vous vous-même. Ah, ici Aïle Koutien, ici Atié, ici Atamela Choko, ici Bété, ici Mataba, ici Guéré, et puis battez-vous. Non, on va vous assister. Mais quand vous venez, je suis Mataba, je suis Probabo, je suis Aïle Koutien, je suis Gore, je suis Atamina Choko, je suis Gore, je suis Orba Modo, je suis Gore. Et puis vous venez vous insulter ici.
les postes, ils mettent, ils s'insultent ici. Non, toi, t'as vendu gros, c'est ça, lui là. Non, toi, t'as vendu papier à lui là. Toi, t'as vendu ça là, attends. Toi, t'as fait ça, que on t'y mangeait. Mais attends, ça, c'est quoi ça là? Ça, c'est la gaminerie, ça. Ça, c'est la gaminerie. Vous venez vous exposer sur la toile. Il faut monter ces babos. Mais c'est pas lui que vous envoyez. C'est pas lui que vous envoyez. Peut-être là, c'est que vous faites à vous gâter son nom. Et vous savez que nous, les cyberactivistes, on a eu un impact sur le procès. Mais quand vous vous foufounez, vous vous chiffonnez devant eux là, ils vont dire, ah, la troupe est à l'image du, la troupe est à l'image du chef. Ça peut encore jouer son procès. Mais vous n'avez pas pensé à ça. On n'a pas besoin d'avoir Bac plus 36 pour savoir que ouais, quand on a l'image du président Laurent Gbagbo, donc on se bat là, ça agit sur lui. La preuve, on est quand on faisait des vidéos pour acculer la CPI là. Et il nous disait non, les activistes seront passés de poursuite judiciaire. Donc c'est pour dire qu'on a un impact, on a une influence. Voilà. On avait une influence positive, mais là maintenant c'est une influence négative. Dans la mesure où on veut contribuer même à salir l'image du président Laurent Gbagbo. D'abord, son image était sale déjà parce que ouais, il y a des gens qui ont fait des photos sur son nom. Et aujourd'hui, maintenant, vous confirmez ça sur les réseaux sociaux. Vous êtes incapable de vous unir. Ce n'est pas son parti politique, mais le contraire. Ils ont deux tendances. On dit Afi est président. Assoadou est président. On comprenait d'abord FPI là. Attends, ou bien, attends, c'est des enfants qui sont là-bas, ou bien, mais ne comprends pas. Ne comprends pas. Des gens qui sont appelés à nous diriger, ils sont incapables de se réconcilier. Comment ils ne comprennent pas ça? Ils ne comprennent pas. On voit les traits partout. Demis Oignon a posé une question hier. Demis Oignon a dit, si lui, on l'avait vu dans un restaurant à Fouchata Bamba, ils allaient dire quoi? Oh, Demis Oignon, il a reçu au moins 5 000 euros, c'est un vendu, c'est un prosoro. Ouais, Demis Oignon, il a vendu la lutte, oh, c'est un prosoro. Votre président du COGEP, Bleu Goudé, on a vu Soro. Non, c'est un trait quoi. Il a vendu la lutte. Qui s'en recule, il faut répondre à ça. Voilà. On va passer Demis Oignon, lui, comme il n'a jamais été ministre. Donc lui, si on le voit à Fouchata Bamba, c'est un trait. Moi-même, pareil pour moi aussi. Au début, quand je voulais changer la manière de faire la politique, j'ai fait un exemple, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai levé Amira Blindé. Parce que Amira Blindé, hormis les vidéos, bien avant qu'on se croise, on s'appelait toujours. En 2015, on s'appelait, puis on causait. Et quand on a vu sur la toile, on s'insulte bien, puis on s'appelait. Et il lui a dit, mon champion, on s'appelle lui de là, c'est pas comme on s'appelle. C'est pas normal, c'est comme si on est des lâches. Voilà. Donc c'est qu'en fait, on doit montrer aux gens que la politique, c'est pas Niaga. Alors, la politique, bien vrai, tu es un mouton du RDR, moi c'est un probabo, mais tu restes quand même mon frère. Voilà. Donc, on va organiser une rencontre et puis bon, on va essayer de donner le bon exemple, le bon ton. C'est comme ça, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé voir Amiral. On allait à, on s'est croisé à l'ambassade, on s'est croisé à l'ambassade, je ne sais pas. Les gens ont vu ça. Non, il a vendu la lutte. Ouais, il est traite. Ouais, dessin animé, c'est un prosor. Dessin animé, c'est un aide. Même si je suis aide, et puis quoi? C'est vous qui m'avez amené dans la lutte là. Aide, c'est un parti ivoirien. LHDP, c'est un parti ivoirien. FPI, c'est un parti ivoirien. PDCI, c'est un parti ivoirien. Il n'y a pas un parti qui vaut mieux que son l'autre parti. Voilà. C'est les mêmes partis là. Vous avez les mêmes valeurs. Donc pourquoi quand quelqu'un est dans l'autre parti, on le fustige? Pourquoi? Pourquoi quand vous voyez quelqu'un dans l'autre parti, vous le fustigez pour dire non, ils ne sont pas bons. Non, mais autant que vous, ils ne sont pas bons, c'est que vous n'êtes pas bon aussi. Parce que nul n'est pas fait. Voilà. Nul n'est pas fait. Nul n'est pas fait. Voilà. Ce que l'on demande, c'est la cohésion. Ce que l'on demande, la politique, il ne faut pas que ça rime avec la violence. C'est ce que l'on demande, c'est tout. Voilà, parce que d'une part et d'autre, on est parenté sans le vouloir. Voilà. Moi, il y a une nièce qui est togolaise. Voilà. Moi, il y a une nièce qui est algérienne. Voilà. Ma nièce, elle est Senoufou. Voilà. Elle est au Canada. Excusez-moi. Voilà. Donc, ce n'est pas pour des idéologies politiques que moi, je vais ôter la vie au père de ma nièce, mais elle s'est promis pardonner. Elle dit, ah, à Côte d'Ivoire, sauvagerie, voilà, tu as tué mon papa. Je suis orphelin. Voilà. Ce régime là, ça, c'est sa conscience. Voilà. Toujours, sa femme lui dit ça. Sa femme, elle lui dit ça. Voilà. Ouais, à cause de vos conneries, à cause de vos pouvoirs de merde là, voilà, vous devez tuer mon papa. Moi, vous devez tuer mon oncle. Voilà. Débat.
Voilà. Il dit quoi dedans? Voilà. Donc, je reviens au frère Probabo. Mes frères Probabo, voilà. Si vous êtes fatigué du combat, c'est pas la peine de gâter notre Babo ici. Parce que jusqu'à pour le contraire, voilà, c'est la vérité et c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas appelé quelqu'un. Voilà. Il n'a pas appelé quelqu'un. Voilà. Au moins, c'est en campagne, on peut dire, ah, il nous a appelé de venir faire meeting, il nous a appelé de venir écouter. Là où il est, il ne nous a pas appelé. Voilà. C'est parce qu'on lui est arrivé par exemple pour laquelle on s'en va lutter pour lui. Mais quand on veut lutter pour lui, là, voilà, on doit donner le bon exemple. Bon, on vient s'insulter ici. Mais quand on est celui-ci, toi tu as fait ça, toi tu baisses femme des gens, toi tes poils sont roses, mais ça là, ça a quoi à voir avec Babo. Et puis moi, ce qui fait mal, vous identifiez quand vous faites vos vidéos à la con. Là. Non, je suis 30 ans, je suis pro Babo. Toi qui es là-bas, là, on t'a pas vu ici, on t'a pas vu, bonne baka là-bas, toi qui es là-bas. Le professeur que vous taxez les rebelles, là, on n'a jamais vu s'abonner à des bêtises comme ça. Voilà. Amiral Mouton, là. Voilà. Petit qui n'est pas là à l'école, là, qui parle du là, qui fait vidéo, là. On n'a jamais vu insulter ses frères Prosoro. Même s'il y a un discours entre eux, là, on gère ça aux quatre. Voilà. On gère ça aux quatre. Mais vous venez vous donner un spectacle. Bon, déjà, c'est quoi le projet? Donc, si je comprends bien, vous n'aimez pas Babo. Oui. Vous n'aimez pas Babo, vous contribuez à salir son image. Parce que quand vous venez faire votre vidéo, non, je suis pro Babo, je suis gore, je suis pro Babo, et puis maintenant vous venez vous insulter. Mais c'est l'image du chef, vous salissez. Parce qu'on dit, ah, c'est ces militants, c'est quoi ils sont. C'est comme ça ils étaient en 2010, c'est quoi ils étaient. Voici ce qui est le sujet. Tu as beau chasser le naturel, tu reviens toujours au galop. Donc vous revenez au galop. Donc vous revenez au galop, c'est ça. Donc ce qu'on a dit de vous en 2010, ça, c'est ça. Parce que vous revenez au galop maintenant dans les effectifs. À défaut d'âme, ceux qu'on a traités de miliciens, on dit, bon, comme ils n'ont plus âme maintenant pour tuer les gens, ils ont la violence verbale. Des jeunes gens qui s'adonnent à la violence verbale, des mamans qui viennent s'insulter sur la toile. Quelle image vous donnez à nos enfants qui nous suivent? Vos enfants, ils ont Facebook. Hein. Voilà. Si un enfant a son portable, il a accès à l'outil informatique, il a Facebook. Voilà. Vos enfants, ils vous regardent. Eux, ils créent des Facebook, ils ne mettent pas les vrais noms. Ils mettent petit dessin comme ça, puis ils mettent un faux nom. Et puis ils vous regardent. Voilà. Si vous ne savez pas, moi, vous dites ça aujourd'hui. Voilà. Parce que moi, ma fille, elle a attrapé aussi même. Elle a Facebook, 12 ans. Elle a Facebook, il est gore. Il dit, hein, tu as Facebook. Elle veut mentir. Non, c'est-à-dire, ouais. Il dit, hé, tu as Facebook. Voilà. Dans nos enfants qui ont les portables à 12 ans, ils ont Facebook. Voilà. Mais vous ne voulez jamais les voir parce qu'ils ne mettent pas les photos. Ils mettent un petit photo bizarre de poupée ou bien un nom bizarre. Et puis, ils vous regardent et vous insultent. Ils sont là comme ça, dans un copie, ils insultent. Vous savez que vous faites à vos enfants, ils vous voient. Voilà. Ils vous voient. Mais ici l'exemple, mais elle a attrapé ma fille, elle a Facebook. Ma fille a Facebook, il dit, hé, tu as Facebook. Elle dit, c'est-à-dire, il dit, quoi c'est-à-dire? Tu as Facebook ici? Tu as Facebook? Voilà. Donc, maintenant, depuis ce jour-là, il dit, attends, il a porté chemise, il a porté des bons habits, parce que ma fille me regarde. Il a dit, mais ton Facebook, il faut désinstaller ça. Mais il sait que même si elle désinstalle, elle va créer un autre Facebook. Voilà. Vous voyez, demain qu'elle a créé, puis l'a attrapé, il sait qu'elle peut créer un autre Facebook encore. Mais c'est facile. Elle va dire, bon, quand il m'a attrapé là, il sait qu'il va procéder. Donc, il peut mettre un faux profil, mais tout compte fait là sur Facebook. Dans vos enfants qui ont 11 ans, qui ont les ordinateurs, qui ont les smartphones, là, ils ont Facebook. Voilà. Si vous ne savez pas ça, je vous dis ça. Vos enfants qui ont 11 ans, qui ont portable, connexion là, ils ont Facebook. Vos enfants qui ont portable, votre tablette, connexion là, ils ont Facebook. Et ils créent Facebook, et puis ils mettent un faux nom, puis ils vous regardent. Voilà. Donc, c'est quoi votre souci? Voilà. Si vous êtes fatigué du combat de président Laurent Gbagbo, c'est pas la peine de venir souiller son nom. Voilà, parce qu'on vous assimile, on vous identifie en tant que pro-Babo. Voilà, voici des Babo, Victoire. Et moi, je ne sais pas si il dit ou bien elle dit. C'est une femme bien, c'est un garçon, je ne sais pas. Voilà. Nos enfants qui ont honte dans Facebook. Voilà. Et puis, ils vont jamais vous demander un ami. Ils ont un Facebook fictif. Moi, j'ai 135 comptes Facebook. 135. Ils ont supprimé au moins 30. Non, 40. Non, 100. Non, ils ont supprimé 120 comptes Facebook, mais il me reste 15 Facebook. Voilà, moi, il y a 135 comptes Facebook. On a commencé 2014 à faire vidéo là. Et on nous supprimait. Voilà. Et oui, dis-moi, on m'appelle Destro Hamilton. Destro Hamilton, ce n'est pas mon nom. Voilà. Moi, mon nom, c'est Cécile Malik, à l'état civil. Mais pourquoi je m'appelle Destro Hamilton? Parce qu'on a commencé nos combats là. Voilà. Mon pseudo, c'était Dessin Animé. Voilà. Et Guy, il s'appelait Guy Anticonformiste.
Donc, comme on était toujours percutant, on était toujours percutant, j'ai signé un autre compte. Quand il m'a créé un Facebook, il m'a dit animé. Dès qu'il crée le Facebook, dès qu'il est actif, dès que Facebook supprime, parce que le dessin animé était déjà affiché. Dessin animé, dessin animé, dessin animé. Ah. Jusqu'au moins 50 Facebook, dessin animé, on supprime. Il dit, mon qu'est-ce qu'il va faire? Donc, comme ça, il appelle une fille là. Il dit, ah, en tout cas, je suis fatigué. Il y a toujours créé, je suis fatigué. Voilà. Prends ton numéro là. Il faut créer, dis à ton enfant de créer un Facebook moi. Donc, comme ça, la fille, elle prend son numéro et son enfant crée un Facebook moi. Et il met un nom bizarre façon. Un nom, je ne sais pas, c'est un nom façon quelque chose. Un nom, c'est un nom bizarre façon. Là. Donc, il voit le nom, il dit, bon, ok, j'ai changé. Comme dessin animé, c'est D. Voilà. Donc, il va mettre Dexter. Comme A, c'est animé, il va mettre Hamilton. Donc, comme ça, il s'appelait Dexter Hamilton. Enfin, le dessin animé reste toujours, puis c'est DA. Le signe, c'est DA. Donc, c'est comme ça qu'il s'appelait Dessa Newton. Et quand il a écrit le Facebook, il y avait un CD où mes parents, il y avait des photos. Il n'y a plus toutes les photos de mes parents, là. Les vieux sorciers, là. Les sorciers, tenez qu'il a mis ça en bas du Facebook là-bas. Puis il a mis commentaire. Il dit, lui, quand je mets ce compte Facebook là, mes parents vont le tuer. Voilà. Donc, tous mes parents, là, les féticheurs, les sorciers, là, il les a mis dans mon Facebook là. Il les a mis ça en bas. Quand mon Facebook est créé, vous entendez les photos en bas, là. Il y a les vieux sorciers qui sont là-bas. Les villageois, mais ils sont dans mon Facebook. Voilà, c'est lui qui mon Facebook. Donc, ce Facebook, grâce à Dieu, ça a vécu 4 ans. Moi, j'ai mis un Facebook qui dure 4 ans, jamais. Ça a jamais duré 4 ans. Mon Facebook, ça a tout duré. C'est 8 jours. Même Guy, en tout cas, famille, c'est pareil. Son nom était fiché. Il s'appelait Guy Roland Kouassi. Pourquoi? Parce qu'on était fiché. Voilà, on était fiché par Facebook. Donc, c'est comme ça, je me suis appelé Dexter Hamilton. Sinon, mon nom, c'était ça animé. Mon nom était civil, c'est Cissé Malik. Voilà. Et il vient de Béliba. Voilà, ici du Nord. Voilà. Quand on me voit souvent dans la rue, on pense que c'est Sénégalais, d'autres me prennent comme un entier. Matin, c'est là qu'on fera moi, ils allaient payer. Je ne sais pas, écouteur. Il y a un gars qui me parle, un entier, il me parle en entier. Il me dit, ah, il m'a dit quoi un mot comme ça, un autre bizarre façon. Akamnavava, comme il a vu en malien, il me salue en entier, moi je ne comprends pas, en créole, moi je ne comprends pas. Il lui a dit, moi je ne suis pas malien. Il dit, n'entend pas entier. Il dit, non, moi je ne suis pas entier, moi je suis ivoirien. Il dit, ah. Il dit Abidjan encore du faux bagné, il dit ouais, lui l'entier, mais lui sa mère bêté. Il dit qui? Entier que sa mère bêté. Et puis là, il dit bêté, lui il a dit bêté, entier a dit bêté. Il dit ma mère bêté, ou faux bagné. Il dit ouais, dans ce que, ok, c'est un entier, on est parenté. Du fait qu'il soit bêté, on est parenté. Donc c'est pour dire un entier même qui est parenté à dessin animé. Mais pourquoi maintenant un gars qui est encore du voix ne peut pas être parenté à dessin animé? Donc raison pour laquelle la politique là ne sera pas rimée avec la violence. Et Bleu Goudou vous a démontré ça. Voilà. Donc ce que condamne. L'acte de Bleu Goudé, des plaisantins. C'est comme ça qu'on fait la politique. Donc, parce que je vous dis, les leaders politiques, là, on eux, ils causent. Mais c'est eux les mêmes qui disent, allez, descendez dans la rue, allez marcher, allez marcher, allez marcher. Quand nous d'abord là-bas, ils s'en foutent de ça. Hein. Voilà. Quand nous d'abord là-bas, ils s'en foutent de ça. Voilà. Donc, pour laquelle, on doit savoir réfléchir pour faire la politique. Voilà. On doit savoir réfléchir pour faire la politique. Voilà. Donc, mes frères Probabo, voilà, en tout cas, vous salissez le nom du président. Attends, je sais pas. Voilà. Tiens, c'est joli matin. Ah, il ressemble à un ministre même. C'est un ministre aussi là, tiens, monsieur le ministre. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, j'étais 10 ans. Mataba, ma grande soeur, pardonnez, arrêtez les histoires. Atamina Choco, mon collègue, mon petit frère, mon homme de main, pardonnez, mettez bas la terre. All Black Modo, mon élément pointu, la Côte d'Ivoire vous regarde, l'Afrique vous regarde. Quelle image vous voulez donner? Tu peux être un beau parleur, ouais, tu parles bien français, ouais, mais si tu baignes dans l'invective, on dit ouais. Ils sont tous pareils, ils ne sont pas différents des autres. Pourtant, tu es élégant, tu as l'aura toi quand tu parles. Tu n'es pas comme nous on parle comme les robots, on n'est pas comme l'autre là. Grand Pi, il a une voix numérique.
Moi, nous voir au boutique. Voilà. Mais, quand vous devez venir vous insulter là, vous ne pouvez pas avoir un côté percutant où vous êtes, crédible dans vos vidéos. Mais c'est le côté négatif. Ils vont retenir. Ouais, un Black Modo, il part tout son temps à main des postes pour insulter les gens. C'est quel combat il fait? On dit il fait un combat de babo, mais eux, ils viennent insulter les gens. Oh, pourtant, c'est pas eux qui ne payent pas. Hein? Mais parce que tu es venu sur la toile, tu es venu te montrer. Voilà, tu es venu faire vidéo. Donc, eux, là, chez eux, c'est un droit. C'est un devoir pour toi de mieux te comporter. Voilà. C'est un devoir pour toi de mieux te comporter. Voilà. Moi, quand il fait vidéo, moi, je vais clasher un probabo. Voilà. Moi, il clash les adversaires, les ennemis. Ah, ceux qui attaquent mes éléments, c'est eux, mes clashs. Si moi, je vais faire vidéo, clasher un probabo, jamais. Voilà. Jamais clasher un probabo. Patricia, tu veux intervenir? Tu m'as appelé là. Voilà, les probabos qui se battent à toi et à travers, on ne sait pas pour quelle raison, ou mais je ne sais pas si vous avez de l'argent ou bien. C'est là, on a donné qui vous fait mal lui-même, mais c'est pas. Parce qu'on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Depuis qu'on dit les autres, on a donné en même temps, vous battez en même temps. Ou bien, vous voulez possibilité de vous sortir, quoi. Pour aller au restaurant, parce qu'on voit aussi. Hein. On vous voit venir. Ça, c'est aussi une ruse. Voilà, vous vous battez plein, on dit bon, si t'as plus le bagot, sors, quitte ici. Et puis, vous débasculez le côté. C'est quoi les autres, ils ont fait? Ils ont crié à Libye. Non! Le président Laurent Gbagbo a témoigné contre moi. Attends, mais. Et puis, c'est du coup, là, c'est logique. Attends, vous êtes malade ou bien vous faites esprit. Parce que Gbagbo a le temps de témoigner contre un individu qui ne vaut pas, qui n'est pas à sa trempe. Attends, vous êtes sérieux là? Hein? Toi, Boti Java, ça, toi, il répond. Quand tu te lèves matin, tu viens sur mon poste, tu mets un commentaire. Non, le président Laurent Gbagbo a témoigné, était cité à témoigner contre ce gars-là. Attends, vous êtes sérieux là? Attends, Gbagbo, là, vous n'avez aucun respect pour lui. Hein? Vous pouvez payer en prison. Parce qu'il est en prison, quoi. Gbagbo va se lever pour être témoin de quelqu'un qui n'est pas président. Quelqu'un qui n'est rien, qui n'a jamais été ministre. Quelqu'un qui n'a jamais eu bac. Gbagbo va aller témoigner contre lui. Ah, tiens. Vous n'avez aucun respect pour Gbagbo, quoi, vous là. Et les gens qui croient à ça. Les gens qui croient à ça. Non, Gbagbo a témoigné contre lui. Gbagbo a témoigné de son affaire. Mais vous êtes sérieux, là. Putain. Il y a un gars qui dit. Parce qu'on a filmé. Village de tout le monde là. Ça va pour le privé. On peut filmer village. Voilà, pour montrer que ça, c'est un village qui est loin de la civilisation. C'est pas un crime. C'est pas passé de poursuite judiciaire pour dire ah, ils ont filmé mon village. Encore le poursuivre. Toi, tu es sérieux là. Mais quand tu parles, tu t'entends. Toi qui mets ce commentaire, c'est quand tu parles, tu t'entends. Même ici, dans Google, on est un policier en France, on doit le filmer. S'il fait le connu, on doit le filmer. Tu peux le filmer, pas faire quelque chose. Voilà, filmer là, c'est. C'est un droit de filmer. Après, par exemple, village. On filme village de quelqu'un. Ça, tu penses que c'est mauvais, quoi. Filmer village de quelqu'un, c'est mauvais, quoi. Là, tu es fatigué, tu n'as rien à dire. Bon. C'est quoi le but? Le but, là, c'est pour enfoncer son village dans le gros con de ta maman. Voilà. Tu t'es reconnaissé. Le but, là, c'est d'enfoncer son village dans le gros con de toi, ta maman. Plaisantin comme ça, là. Ta mère compte, mais dessus. Pas bien, là. Quand on fait vidéo, on n'a pas une insulte, vous venez toujours, vous jouez le con ici. Maudit là. Ta maman baiser. Mais là, on ne pas faire vidéo pour insulter, c'est vous venez toujours, venez. Venez toujours, je veux le maudit ici. Je suis chaud déjà. Connerie là. Mais ça, on dirait, tiens, mais t'intéresses pas. Peut-être t'enlèves ta perruque là. C'est toi qui me vois, j'espère. C'est moi, c'est te voir. Non, mais les gens me te voient aussi. Tiens, t'es venu bien. Non, laisse comme ça, t'es belle comme ça, bien. Donc, t'es Gigi, alors. Pas de soucis. Aïe, non, moi, t'as plus, tu connais pas le sujet, quoi. Le sujet, là. Mais je suis arrivé, là, à peine. Ouais. Bon, là, t'es en direct, là. Salut, les auditeurs. Salut, les. Bonjour, famille. Ça va chez vous? Bon, ils vont bien. Ils répondent à leur place. Ils vont. Oui, on va bien. Bon, le souci, c'est quoi? Tu as constaté avec moi que nos grandes soeurs, nos tantes, nos tontons, nos frères, nos petits frères, qui se réclament pour Gbagbo, eux se battent sur la toile. Quel exemple ils donnent à nos filles? Toi qui es grand-mère là, ta fille là, elle a fait vite, non? Déjà, je veux déjà poser la question, mais je pose la question pour Gbagbo. C'est qui votre candidat pour 2020? Voilà. Je vous pose tous la question. Ah, c'est ça. Parce même. Que ça sert à rien de se bagarrer. J'en arrive. Ça sert à rien pour moi. Hein. Je parle au Gbagbo.
Babo, ça ne sert à rien de se bagarrer, surtout que vous n'avez même pas encore de candidat. On se bat, vous vous battez pour la libération d'une personne, ok. Mais pourquoi ça a coupé? De la libération de Laurent Gbagbo, ok. Mon Dieu, 2020, qu'est-ce que vous proposez pour aller de l'avant au lieu d'être dans la critique? C'est ça. S'insulter entre vous vous amène à faire croire à ceux qui ne sont pas pour Gbagbo que vous êtes dans cette famille, il n'y a que des règlements de compte. Les gens ont envie de cacher leur vie. Ils ont envie que ce soit politiquement correct. Alors que chez les Gbagbo, en ce moment, ce n'est pas politiquement correct. Quand vous n'avez pas de candidat à ramener, parce que c'est comme si vous étiez dans la CGT. Vous êtes dans l'opposition, mais vous êtes dans la CGT. Vous n'êtes pas là pour défendre des travailleurs d'une entreprise. C'est l'Afrique, c'est de la Côte d'Ivoire qu'on parle. Alors, ok, pour la libération de Gbagbo, mais si vous n'avez rien à proposer pour 2020, je veux que toutes ces querelles à la con s'arrêtent. Point. Parce que ça ne nord pas déjà des grandes personnes comme nous et ça ne nord même pas la Côte d'Ivoire et en plus votre parti. Et ça n'arrange pas Gbagbo que vous soyez dans cette haine quotidienne entre vous. Voilà. C'est ma question. Ma question. Que vous proposez pour 2020? Ah, c'est moi, c'est bien vrai d'être dans la critique, mais qu'est-ce que vous proposez pour 2020? Ah, c'est moi qui réponds à ça. Non, tu parles au bord là, ceux qui se bagarrent entre eux. Bon, attends, ne quitte pas. Un gars va répondre. toi qui es gars ici là, 07 58 11 28 74, il propose quoi? La fille, elle a posé une question. Toi qui es gars de mon téléphone là, il veut appeler. 07 58 11 28 74. On dit, vous proposez quoi? 2020 arrive. C'est quoi vous proposez? C'est quoi votre souci? Vous passez tout votre temps à vous insulter ici. Non, c'est la dictée, moi la dictée. C'est quoi que votre candidat? Est-ce que votre parti a été réunifié? Il y a tendance à fuir, il y a tendance à soi à doux. C'est quoi votre souci? C'est qui sera candidat en 2020? Voilà. Merci. Ils vont appeler. Maintenant, continue. Ils se battent maintenant. Voilà, il faut continuer. Voilà. Donc, pour moi, à mon avis, vous n'arrangez pas parce que les gens qui sont chez les Gbagbo amènent d'autres à penser que même si nous qui n'étions pas du FPI, nous qui n'étions pas Gbagbo, on se pose la question, mais est-ce que si ce parti revient au pouvoir, est-ce que ça ne sera pas des règlements de compte? Est-ce que ça ne sera pas vraiment plein de choses? Et ça fait peur. Donc, soit vous aimez votre parti, vous proposez, vous sortez un candidat, parce qu'il ne reste même pas à peine 18 mois pour aller aux élections. Ah, il y a un chiffre. Bon. Ok. Démissionnant, faut pas appeler ici, là. Ça c'est bon, faut appeler là. Faut rappeler encore, appelle ici. Il faut rappeler ici là. Vous voyez, tu t'appelles là, ça a coupé son appel. Il faut rappeler ici là, rappelle ici. Continue, Miss Carole. D'accord. Donc pour moi, je trouve que ça ne nord pas les gars et ça ne nord même pas le FPI. Et votre combat, c'est comme si elle était nulle. Parce qu'il n'y a rien qui va contrecarrer ce parti qui est déjà au pouvoir, dont on va dire 50% de la population est derrière, parce que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'était pas Gbagbo autant qu'il était là. Alors laissez cet homme humble, restez humble pour sa lutte, mais quel candidat proposez-vous pour 2020? Qu'est-ce que vous proposez pour 2020? On veut le savoir, parce qu'on a dit que oui, Le FPI était au pouvoir pendant longtemps. Certaines personnes ont dit qu'on a empêché Gbagbo de travailler. Ok. D'autres sont venus, sont en train de travailler. Ok. Moi, je ne suis pas politique, mais je trouve qu'avec toutes les histoires qu'il y a dans ce parti, vous luttez pour une personne. T'occupes pas de moi, faut parler. Faut pas t'occuper de moi, faut parler. Concilier. Alors que vous-même, vous cherchez la bagarre. Attends, n'équipe pas. Je trouve que nous sommes dans un... Attends, comment tu peux le dire moi? Je trouve que nous sommes dans un débat stérile. Vous les gars, vous êtes dans un débat stérile. Donc, ce n'est pas approprié pour ce parti dont vous appelez à la réconciliation. Ce n'est pas au parti au pouvoir d'appeler à la réconciliation. C'est vous. Mais qu'est-ce que vous proposez pour cette réconciliation pour la Côte d'Ivoire? À part la haine. La haine d'abord entre vous. Le manque de confiance, et pour cela, vous venez juste pour critiquer au lieu de dire aux Ivoiriens, nous, on a un candidat pour remplacer Gbagbo, ne peut pas revenir et reprendre le FPI. Ce n'est pas possible.
Sanchez a démontré qu'il ne reviendra pas au pouvoir. Ça sera un homme politique, on va dire, à la retraite, donc on aura besoin de temps en temps. Ça sera, on va appeler ça un sage. Si demain, voilà, c'est comme ça. Mais Babou ne reviendra pas au pouvoir. Alors, propose un candidat. Bon, Non, mais c'est pas méchant parce qu'on essaie d'enlever des. Moi, ma conception, c'est vraiment, je n'ai pas compris. Comme j'ai dit, je vous dis, Alassane, pour moi, doit mettre en bac à chercher tous les jeunes là. Les vieux, là, on est fatigué avec eux. Vous cherchez, vous avez plein de jeunes qui ne font rien. Qui sont mais toi, tu veux que Babou. Allô? Oui. Tu veux que qui soit hérité de Babou en politique? Moi, personnellement, je te dis, en politique, je ne connais rien, donc je ne peux pas m'aventurer. Non, mais selon toi, tu peux voir. Selon toi, qui peut succéder à Babou? Ne quitte pas. Hein. Un gars, tu ne réponds, ne quitte pas. Hein. Attends, vous dites. Allô? Allô? S'il vous plaît, diminuez le son là-bas, on vous attend ici. Allô? Diminuez le son, on vous attend ici, diminuez le son de votre voiture là. Allô, c'est bon? Ok. Bonjour madame. Je voulais participer à l'émission, s'il vous plaît. Voilà, ok, on vous écoute. Elle a posé une question, vous répondez à la question? Bon, Carole, il faut récapituler. Écoutez ce qu'elle dit. Alors là, j'ai posé une question. Quel est votre candidat et qu'est-ce que vous proposez pour 2020? Bah, c'est quoi le titre de la vidéo d'abord? Dans la haine entre nous. Quoi ça? C'est quoi le titre de la vidéo d'abord pour qu'elle réponde cette question? Ah, c'est quoi le but de la vidéo pour qu'elle pose la question? Le titre de la vidéo, le thème de votre. Le thème de l'émission. Adam, vous l'appelez quoi, c'est pas le thème, vous l'appelez quoi? Vas-y. Non, c'est ça, parce que là, tu connais pas le thème, toi, tu appelles quoi? Ben non, je peux ne pas connaître le thème, mais après, je peux prendre ça. Ah, tu peux ne pas connaître le thème, mais tu peux appeler pour venir faire les yeux, doigts, dessin animé, c'est ça, non? mais c'est le constat. Toi, tu appelles, et puis, tu connais pas le thème. Bon, le thème, au fait, on parlait de Pogbagbo. Qui s'est battu la toile, il donne pas une belle image du leader. Voilà, on a vu, comme vous êtes sur Facebook, hein, vous voyez ce qui se passe. Il y a un qui insulte, une pour Babou, l'autre répond, et du coup, ça salit l'image de Babou. Donc, elle est venue intervenir en tant que citoyenne et acter la société civile. Elle n'est ni pour Babou, elle n'est ni de temps. Voilà, elle, c'est juste une Ivoirienne. Voilà, comme elle suit la politique Ivoirienne, elle donne aussi son avis. D'accord. Voilà, donc. La question à savoir quel est le candidat comment dirais-je quoi de Pro Babou quoi. Oui, puis, alors que le thème réel de la vidéo c'est les Pro Babou qui s'exhibe sur la toile. Ouais, un thème peut découler sur d'autres thèmes. Un thème peut cacher un thème, c'est comme ça. Merci, c'est ça. Moi j'aimerais parler du premier thème. Parlez-en donc. Du thème à la base. Parlez-en donc. Parce que le thème à la base, c'est moi-même que je suis à la base de actuellement de ces derniers. Sonaki. Je suis pas sur la toile et donc c'est pour cela que je ne peux pas répondre à elle sa question. Mais Sonaki. Concernant. Tata. Sonaki. Hello. Mais Timamuru Odi. Puis Timamuru Odi. Qui est? Je reviens, coupe-moi. Non, tu peux écouter là, tu peux écouter, tu écoutes. Écoute, d'accord, j'écoute. Voilà, et donc, par exemple, quand le dessin animé fait un direct comme ça, maintenant qu'il dit que oui, les pauvres babous qui viennent s'exhiber sur la toile, nanana. Bon, oui, les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens n'ont même pas besoin de ça. Et bon, nous sommes des adultes. Nous sommes des adultes, des responsables. Et quand, par exemple, moi, je suis dans cette histoire de Babou Laurent, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Bah ouais. Moi, j'ai une image à protéger. Bah ouais. Ouais, j'ai une très grosse image à protéger. Mais malgré ça, j'ai mis mon image de côté. J'ai prêté mon image à la cause de M. Laurent Babou. Bah ouais. Et mon projet et mon souhait est que M. Laurent Babou rentre un jour en Côte d'Ivoire et que cette réconciliation se fasse en bon et due forme. Parce que la Côte d'Ivoire doit être une et indivisible. Que tu sois du nord, tu sois du sud, du centre, de l'est et de l'ouest, la Côte d'Ivoire doit être une. Parce que moi, je suis mariée à
Ouais. Tous les autres, ils ont le courage et ils font tout pour te sortir de tes gongs. Ah ouais. Voilà. Et ces derniers temps, vous avez vu, c'était avant-hier, Beata Mirachogo, tout le monde a vu, qui est venu m'insulter jusqu'à mon intimité. Pourtant, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu comme ça. Et il allait jusque-là. Moi, je pense bien que si tu dois parler d'un thème comme ça, tu dois demander à ces mecs-là, ces fauriens-là qui traînent dans le sillon, Babo Laurent, je suis gore, je suis radical. C'est des plaisantins. Shunaki. On n'a pas besoin de ça. Shunaki. Je t'écoute. Au fait, là, quand tu dis... Mais non, mais c'est pas bien. Non, Shunaki. Moi, Shunaki, personne ne m'a jamais vu en train de venir clasher quelqu'un ou bien dans ça. Non, il y a des choses qui se passent. Si on voulait prendre tout ça pour venir sur la toile, parce que ce monsieur, c'est pas la première fois qu'il me titille. Hein. Et c'est lui qui est venu sur la toile avec le problème avant-hier. Voilà. Il est habitué à ça. Moi, vous ne me verrez jamais prendre mes problèmes personnels et venir exprimer sur la toile. Parce que vous pensez quoi? Les Ivoiriens n'ont rien à faire. Les Ivoiriens ont du boulot. Les Ivoiriens ont vraiment marre de ces plaisanteurs-là qui viennent sur la toile pour raconter la vie des gens. Vous ne connaissez pas les gens. Vous les injurez. Vous descendez à leur ceinture. Et pendant que toi-même, tu es né d'une femme, c'est un comportement qu'il ne faut pas avoir. Maintenant, quand moi, par exemple, je suis salie et que mes enfants suivent cette personne-là, ouais. et que mes enfants ont mal, mes enfants m'appellent pour me dire que oui, maman, on te connaît, on sait comment tu fonctionnes. Mais pourquoi il allait jusqu'à là-bas? Tu lui as fait quoi au juste? C'est quoi et que tu racontes à tes enfants, c'est le côté-là qui fait mal. Ouais, c'est ça. C'est ce côté-là qui fait mal. Ouais, sinon, les injures, ça glisse sur la peau. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai dit, je suis une personne à qui on ne s'adapte pas comme ça. Ouais. Parce que je fais un travail qu'on appelle œuvre d'esprit. Donc, le fait que je fais un travail d'œuvre d'esprit, je fais beaucoup attention aux actes que je pose. Bah ouais. Parce que quand je pose un acte qui est négatif, moi-même, là, je subis. Donc, je m'arrange à ne pas provoquer, à ne pas injurer quelqu'un. Et je respecte tout le monde. Mais quand ça s'attaque à moi, les artistes, c'est des personnes qui ont des esprits derrière eux. Bah ouais. Voilà. Donc, il faut faire attention à un artiste. Je lui ai dit, et j'ai dit à son alcoolique, parce qu'ils sont deux, comment dirais-je, Atta Mirachogo et puis Aïle Kouchen. C'est Aïle Kouchen qui a convaincu Atta Mirachogo pour qu'ils viennent nous inciter, Mataba et moi. Parce que c'est leur travail, ça. Ils passent leur temps dans les inbox. Il faudrait que les gens, les Ivoiriens, sachent ça. Il faudrait que ces followers, il faudrait qu'on les découvre. Moi, je leur ai dit, à travers moi, vous allez être découverts par les Ivoiriens. Ils vont savoir que vous êtes des plaisantins, vous êtes dans les sillons et à critiquer comme des nanas. Ils critiquent comme pas possible. Si je veux exposer les messages que Aïle Kouchen m'a envoyé, si je veux me mettre sur la toile, ça serait ridicule. Et puis ça me grandirait pas moi-même, mais je garde pour moi personnellement. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Shunaki. Oui. Moi, ce que je voulais apporter comme additif, en tant qu'artiste, en tant que femme sage, moi, si c'était toi, je n'allais pas répondre à ça. Voilà, parce que, écoute, les présidents là, les Ouattara, les Macron là, quand les militants les insultent là, ils sont. Non, écoute, j'en viens. Les Ouattara, les militants, les Macron, les personnalités publiques là, quand ils insultent là, ça les fait mal. Ils veulent répondre. Mais si ils répondent, non, ça sera content. Ils sont mieux à notre niveau. Donc, quand les gens comme ça qui n'en veulent pas la peine viennent t'insulter, ne réponds pas. Ne réponds pas, c'est tout. Même si à côté des gens disent, ah, c'est normal parce que c'est un public, c'est moi qui ai cherché. Donc, ne réponds pas, c'est tout. Musicalement parlant, si moi je reçois une critique comme ça, ou bien si quelqu'un m'injure parce que la personne n'a pas aimé mon clip, non, je peux accepter. Mais je ne suis pas politicienne, moi je fais un combat. J'ai envie que, oui, notre président, on a envie de se réconcilier, mais ces personnes-là, ces personnes-là n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de réconciliation. Et moi je vais pour rencontrer M. Assimi Gyesan. Et on était nombreux, c'est pas que moi je suis parti seul. Moi, mais j'ai salué l'acte, j'ai salué ça. Voilà, on était l'acte. Nombreux qui sont partis rencontrer M. Assimi Gyesan. Et monsieur, c'est lui, il s'est plaint. Et ma grand-mère me disait que lui, quand tu vois un arbre, un manguier, et que les gens lancent plus de cailloux dans ce manguier, cela signifie que les mangues sont trop belles. Ah ouais. Donc je me dis que quelque part, je dois avoir quelque chose que cette personne-là n'en a pas. Ah ouais. Donc c'est la raison pour laquelle nous étions au nombre de 10 cyberactivistes qui sont partis
Ah ouais. Je ne veux pas les histoires. Et ah donc ouais. Là, s'il y a des personnes peut-être que j'ai pu heurter, mais je n'ai pas heurté en fait. J'ai donné une explication parce qu'il fallait que je parle avec ah ouais. mes enfants. Voilà. Et je ne l'ai pas injuré parce que moi je ne sais pas injurer. C'est lui qui est descendu en dessous de ma ceinture. Et donc, le voir, voilà, il va prendre quoi? Il va prendre pour ses yeux. Bon, moi, Sonaki, ce que moi je peux dire, voilà, mm-hmm. en tant que garçon, parce que c'est un homme qui t'a insulté, moi c'est un homme aussi, moi ce que je peux demander devant l'opinion publique, devant les 415 personnes, moi je m'agenouille, elle doit me mettre à genoux même. Je suis grand, mais elle est à genoux. Elle est à genoux. Là, je vois, là, ce n'est pas à genoux. Non, elle est à genoux maintenant, elle est grand, t'as vu? Non, elle est à genoux. Non, elle est à genoux. Elle est à genoux. Oui, ça, elle est à genoux. Merci, levé. Tu es ouf, hein? Merci, levé. Merci, levé, c'est ça que ça. Maintenant, je mets à genoux comme ça. Je suis grand. Je suis un robot, c'est un cyborg. Voilà, donc. Ayela Nadia Vako. Aïe, toujours tu me dis bébé chou. Bonjour bébé chou. Bonjour bébé aussi. Je te réponds. Fais toujours devant ton commentaire. Ayela Nadia Vako. Béni okay, bébé chou. Là, je vois. Merci. Voilà, donc moi, merci. Je demande pardon. Tu le fais pour toi. Non, je le fais pour tous les garçons qui t'ont insulté. Je le fais pour tous les garçons qui t'ont insulté. Parce que moi, c'est un homme. Voilà, donc moi, je me mets à genoux devant l'opinion nationale et internationale. Devant les 419 personnes. Moi, je m'excuse. Voilà. Mais dorénavant, quoi? Oui. Dorénavant, quoi? Si les gens t'insultent, en tant que personnel public, il ne faut pas répondre à ça. On ne doit même pas insulter quelqu'un. Non, mais il y a les gens qui ont l'esprit de ça. Donc, il ne faut pas insulter, c'est tout. On ne doit pas insulter quelqu'un. Mais toi, tu n'as pas empêché quelqu'un de vouloir t'insulter, mais si elle s'est pas bien t'aimer. Mais tu encaisses et puis tu ne réponds pas, c'est tout. Shonaki, c'est ça? Ben oui, ben c'est ce que j'ai fait, hein, parce que lui, voilà, finalement, il a honte comme ça possible. Ouais. Parce qu'il a appelé par des demandes. Et moi aussi, oh, non, merci de me. Il y a plein de femmes qui m'envoient des informations sur lui. Vous voyez ce que ça donne là? Ouais, ouais. Il y a des choses que je ne devrais même pas savoir, mais les gens m'appellent. Et puis, ouais, ouais. En inbox. Vous voyez ce que ça fait? Donc, ouais, ouais. Il faut grandir en fait. La Côte d'Ivoire, on doit se mettre ensemble. Il y a des gosses qui sont trop haineux. Ah ouais, voilà. La haine. Le courage de le dire. Ils sont trop haineux. Ils ont trop la haine. Alors quand tu es trop haineux là, tu t'empoisonnes toi-même. Tu empoisonnes ton sang. Tu empoisonnes ton corps. Voilà, quand on est haineux. Donc c'est quoi ça est? Sur ce, j'embrasse tous ceux qui sont là. Bon, je sais que je ne peux pas être aimé par tout le monde. Non, là, c'est toujours comme ça hein, pour moi. Mais ah ouais. Je n'ai rien à foutre, moi. Tata, voilà. Sonaki, et... Sonaki. Ah ouais. Tu es venu prendre le sujet. Tata, elle n'a qu'à rester en ligne, je veux lui parler. Tata, Sonaki, tu as pris le sujet là. Tu sais que c'est ta fille qui est en direct. Hein. Tu as posé question direct à Yasmine Aka. Je n'aime pas ça, Tata, Sonaki. Non, mais c'est une chose à la question, je ne sais pas répondre. Parce qu'ils n'ont pas les candidats. Elle n'a pas candidat encore. On te répond comment? Tu te mets sur ça aussi. Combien ma fille? Ah ouais. Est-ce qu'un dialogue? Tu sais que moi, j'en ai mes enfants, tu comprends? Hein? Comment on va donner notre enfant là? C'est ça? Parole. Oui. On fait comment? Ah, c'est récord. Donc là, on veut la Côte d'Ivoire réconciliée. On m'approche. On veut la Côte d'Ivoire réconciliée. Chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin. Allez, ça ne doit pas se faire d'un seul côté ou bien une seule personne. C'est tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Même si tu es nouveau-né là, dès que tu as connu la terre nette là, tu dois aussi participer. Donc la haine là, ça empoisonne le corps. Voilà. On vous rend malade sans le savoir. Moi, je ne m'empoisonne pas. Voilà. J'ai envie que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible. Ouais. Voilà. Donc, si ce, je vous laisse. Merci, vous Shinaki. La parole à votre personne. Ok, merci. Puis, on est ensemble. Je vous claque tous le bisou. Ah, on te claque aussi le bisou. Voilà. Ok. Allez, bye bye. On est ensemble, ok. Je peux conclure ta boutata Sonaki vu qu'elle est pas... Ouais, non, attends, je vais te présenter aux auditeurs. Bon, il y a les gens qui viennent de nous prendre la marche. Ils sont 317 personnes. Voilà. Cette dame que vous voyez est une consultante politique. Voilà. Aujourd'hui, elle m'assiste à faire ma vidéo. Et elle va donner son point de vue. Elle se nomme Conan Patissa Carole sur Facebook. Voilà. On a décidé de faire la vidéo aujourd'hui ensemble. Bon, conclue pour elle. On t'écoute. Tata Sonaki. Elle est partie, hein. Mais elle va m'écouter. Au détour de ce qui s'est passé avec toi et à Tamira Choco, quand j'en revenais à la deuxième phase que tu ne voulais pas répondre parce que tu m'as dit que vous n'êtes pas du candidat, c'était une façon de te dire, quand il n'y a pas l'âme dans une maison, les étrangers ne viennent pas. Si vous vous bagarrez dans une maison, personne ne va venir. Et on ne voit que la haine. On ne voit pas la joie qui en sort de ce parti du jour d'aujourd'hui. C'est beaucoup de haine. C'est beaucoup de groupuscules de personnes.
On ne peut pas suivre une seule personne et puis être dans la haine entre nous-mêmes. Ça veut dire que si nous-mêmes, entre nous, dans la maison, il n'y a rien, on est dans la guerre, eh bien, dehors, on n'aura pas d'alliés. Parce qu'on va dire ceux-là, il n'y aura pas d'alliés. Nous n'aurons pas d'alliés, vous n'aurez pas d'alliés tant qu'il n'y a pas la paix dans la maison. Ouais, ouais. Vous voyez? Les gens vont continuer, donc Tata Sonaki, moi aussi, en tant que femme, je te demande pardon. Les gens injurent tous les jours. Les gens se demandent comment je fais pour sourire tous les jours. Quand tu vas sur les pages-là, on m'insulte jusqu'à fatiguer. On a vu la photo de... On a vu la photo de Liba, tout ça, là. On a vu ça ici. On a vu ça ici. On a tout montré ici. Les gens pensaient qu'ils allaient me sortir de Facebook. Ah ouais. Ils sont venus montrer mes jolis seins, là, comme ça. On a vu ça ici. Tes seins, on a vu ça ici. J'ai pris. C'est sur YouTube même. J'ai pris, j'ai avancé. Ah ouais. Il n'y a rien qui peut te terrasser si ce n'est pas, si c'est pas Dieu, si ce n'est pas la chicotte de Dieu. Ceux des hommes te rappellent réellement que tu es une personne importante. Oui, quand on décide de te persécuter, ça veut dire que foncièrement, tu es une personne importante aux yeux de Dieu, dont tu fais peur aux humains. On a beaucoup de diables entre nous. Donc, c'est ça quoi, conclusion de Tata. Donc, revenons, je prends les autres et puis je suis là. Au 07 58 11 28 74, pour ceux qui viennent intervenir. Voilà. Mais toi, même si mon direct là, tu fais la meuf, tu te maquilles, tu cherches quoi? Ouais. Faut pas venir. Non, attends, que les gens n'ont qu'à appeler, on va avancer. Ouais. J'ai vu Perry Kamek, tu n'as pas vu. Mais Perry Kamek, c'est Gigi même. Et c'est Pompé, ça coûte combien Perry Kamek? Ça là, tu vas appeler ça en caoutchouc. Bon, ok, attends, faut que tu ailles, il appelle. Oui, je suis très. Allô? Bon. Allô? Allô, allô. Ok, monsieur. Oui, OPJ, bonjour. Ouais, OPJ, voilà. Ok. T'es en direct là, on t'écoute. Oui, merci aussi à ton invité de nous entretenir là un peu cet après-midi. Il faut parler fort, il faut parler fort. Non, je disais, attends. J'ai dit merci aussi à ton invité de nous entretenir cet après-midi, tu vois, OPJ. Ok, merci. Et le sujet que vous traitez, il est important. Et il est d'autant plus important qu'il concerne même la manière de penser des Ivoiriens. Ah ouais. Parce que regarde ce qui arrive là. Les corps, ils sont en train de s'insulter, c'est pas pour rien. C'est pas de la faute à ceux qui insultent, c'est pas de la faute à ceux qui répondent. C'est parce que, tout simplement, c'est ce qui arrive à des guerriers qui sont perdus. Tu vois, comme elle disait, aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Les gars, ils se battaient pour que quelqu'un sorte de prison, la personne est sortie de prison. Donc, il n'y a plus rien à faire. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu veux? L'oisiveté, c'est le moment de tous les vices. Ah ouais. Tu vois, ça, c'est le premier truc. Le deuxième point, il y a le cas des Soro, des Afi et tout ça. Moi, je me rappelle, il y a 2-3 ans en arrière, il y a même 3 ans en arrière, quand Soro Guillaume a commencé à se plaindre de son tabouret, les petits du RDR ont commencé à le piquer. Toi, tu as dit à Soro, dans une de tes vidéos, Soro, la seule chose que tu sais faire, c'est de combo, de prendre care sur les gens. Donc, prends ton care et puis on est là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux que toi, le vidéoman, dans ton métier de vidéoman, 3 ans qu'on avance, tu savais qu'on allait se trouver dans cette situation aujourd'hui où Soro allait quitter le RDR pour une histoire de tabouret et qu'il allait chercher des gens avec qui il allait discuter. Et eux, c'est même avec des coups, ça. Oui, on ne veut pas de Soro, oui, la tuité, tout, ils n'ont pas réfléchi au problème, pourtant ça s'est passé devant tout le monde. Donc ces gens-là, c'est des enfants. Et la dernière chose sur laquelle je m'ai arrêté, pour la question encore des corps, pour le projet en fait, il faut qu'on se rappelle une chose. À partir de quand Koutou a commencé à suivre ou à parler mal au Bengis et à être insolent avec l'armée française? À partir de 2002, quand ils ont commencé à arracher son tabouret. Donc, nous tous là, on va réfléchir sur les cas. C'est pas quand tu arraches ton tabouret que tu viens nous voir comme ce revient aujourd'hui, et puis tu perds, tout le monde est perdu. Donc voilà quoi. Les gars, ils n'ont pas de projet parce que tout le monde est perdu. C'est-à-dire, même le vieux père en question, lui, à la base, il est venu être panafricaniste parce qu'on a arraché son tabouret aussi. Voilà, merci à vous, puis bon après-midi. Ok, ensemble. Ok. Tu peux faire un commentaire ça, si c'est l'intervention? Il peut, parce que comme il parle doucement, tu peux récapituler. Non, ben, moi, il n'y a pas entendu aussi. Ok. 07 58 11 28 74. Il dit, c'est toi qui as excité les gens, c'est toi qui as excité les gens dans la vidéo à amener Soro où il est,
en disant de laisser ta bruit pour aller chercher la, la chaise. Mmh. C'est tout ce que j'ai entendu dans sa vidéo. Hein. Ouais, c'est ça, nous entendons aussi. Ok. Allô? Allô, c'est quoi, champion? T'es en direct là? Ok, ben, je vais te bibler. Ok, c'est ça, ok. En moteur, faut casser le truc là. D'accord. Je salue d'abord tous les auditeurs ici en ligne. Je salue Patricia. Patricia, je te fais le bisou comme Sonaki a l'habitude de le dire. Ouais, c'est claqué. Voilà. Et, Dessin. Ouais. Sincèrement, nos cyberactivistes. Ouais. Je cite les noms. Parce que je n'épargne personne. Je vais faire juste une introduction. All Black Modo, Sonaki, Alex Zate, Maïliba, MVGD, peut-être que j'ai oublié des noms, il y a Iva Hippo. Tous ceux qui font les vidéos aujourd'hui, depuis que M. Laurent Gbagbo, notre président, l'excellence, est rentré à la CPI, ils vont au juste pour quel but? Tous luttent pour une seule cause, à ce qu'on sache. Ils luttent juste par la détention abusive de M. Laurent Gbagbo et de Bléboudé. Mmh. Aujourd'hui, ce que nous constatons sur la toile, vous vous clashez entre vous. C'est des problèmes personnels. Ça n'a rien à voir avec le problème sur lequel nous sommes. Et chaque personne qui prend aujourd'hui son téléphone, on ne paye pas son unité, on ne paye pas son wifi. Mais ils vous suivent. Comme j'ai toujours dit, Dessin, tous les vidéomans pro-Gbagbo sont ceux-là qui donnent de la force, qui donnent l'envie de poursuivre le combat à ceux qui les suivent. Et qu'est-ce que nous constatons sur la toile? C'est déplorable, c'est décevant, et c'est on ne peut pas dire le nom. Aujourd'hui, vous donnez la faiblesse, vous rendez faible tous ceux qui vous suivent. Si vous voyez les commentaires souvent, les gens disent c'est décevant parce que vous avez, personne d'entre eux n'a 12 ans, personne d'entre eux n'a 8 ans. Tout le monde est mature, tout le monde a atteint un certain niveau de maturité dont on ne peut dire le nom. On vous fait confiance, on vous met ici sur la toile. Vous vous êtes mis de votre propre gré chacun. Mais pourquoi aujourd'hui vous cassez le moral de ceux qui vous suivent? Vous brisez le moral de ceux qui ont cru à la conviction du président Laurent Gbagbo. Ces enfants sont des déchirés. C'est méchant parce que vous faites subir des troubles psychiatriques à certaines personnes, si on peut le dire. Ben ouais. Parce qu'on ne comprend plus rien. De grands garçons comme vous, vous vous attachez. On fait tout pour essayer. C'est nous maintenant qui allons vous conseiller, alors que ces vidéos-là, vous devrez les servir, vous devrez vous en servir pour nous sensibiliser. Ouais. Mais au lieu de nous sensibiliser, vous nous découragez. Mais demain, là, qui va mettre... On n'a même pas Pomme Carole l'a dit tout à l'heure. Qui va voter? Qui est votre candidat? Carole l'a si bien dit. Mais si chacun doit ouvrir sa bouche qu'il était dans ce direct, il allait dire, c'est Gbagbo notre candidat. Mais vous suivez une seule personne, vous suivez la même personne, vous avez la même idéologie, et c'est vous qui vous entre-déchirez. Mais vos problèmes personnels sont vos problèmes personnels. C'est pourquoi, raison pour laquelle le jour tu as parlé de la plateforme de Dessin, vous dites, votre divergence, nous on ne veut plus voir ça sur les écrans. Moi j'étais déçu quand l'autre jour tu faisais ton direct, tu as montré en direct Amira Choco en train de se discuter avec, j'oublie le nom. Mataba. C'était pas cela qu'il était, Mataba. Et on entendait des paroles qu'on ne devrait pas entendre. Mais qu'est-ce que vous nous faites? Vous nous faites du mal. Vous nous faites du mal, vous nous mettez, vous nous foutez assez de honte. Aujourd'hui, si vous voulez, on parle des restaurants. Mais si vous enviez Tony Pacheco, Vivi Lamour, Dre Boni et Philippe Gbagbo, les perdus de la nation, peut-être on peut dire, moi je peux me dire que vous les enviez. Parce qu'eux, ils ont suivi juste l'argent. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qui va faire que les hommes politiques demain, là, vous qui êtes des cyberactivistes, Gbagbo, ils vont vous utiliser pour retourner votre veste parce qu'on a l'impression que vous avez faim. Bah ouais. C'est l'impression que moi ça m'étonne. Parce que ceux qui ont eu faim, ils ont retourné tout de suite les vestes. Mais vous qui n'avez pas faim, vous avez une autologie, un chemin, tant que Gbagbo n'est pas libéré, totalement, vous n'avez pas à nous décevoir. Parce que vous nous faites, moi comme ça, je parle parce que j'ai mal au cœur. Je parle parce qu'ils me font du mal. Et c'est de la manière dont ça me fait du mal, ça fait du mal à beaucoup de personnes sur la toile.
Parce que on, le mot est dit, on ne comprend plus rien. Amiral Blédé, quand on dit il est illettré, il est plus intelligent que vous tous. Aïe. Parce que même quand il prend sa vidéo, moi je le suis, il parle de Soro, malgré qu'on sait ce que Soro a fait. Mais Soro demande pardon. J'ai toujours dit, quand tu demandes pardon, tu as fait quelque chose, après ça te demande pardon. Mais il faut que ce soit profond. Mais quand il prend, il peut attacher Soro. Nous, là, quand on discute, quand on parle de Gbagbo, vous nous parlez de Gbagbo sur la toile, on peut parler avec force, avec vigueur. On est les plus dignes, mais on se rend les plus ridicules parce que Gbagbo, il a été acquitté. Quand on dit acquitté, ça veut dire qu'il a été libéré de charge. Il reste juste à rentrer chez lui. Mais avant qu'il n'entre là, moi, c'est la place de Gbagbo, je m'assois et puis je vous regarde. Peut-être même Gbagbo ne veut plus venir sur la scène politique. Parce que vous qui êtes devant là, vous êtes en train de le salir. Vous êtes en train de l'humilier, vous êtes en train de ternir son image, vous êtes en train de détruire son combat. Parce que son combat, là, il ne vous a pas appris à faire clash. Ceux qui écoutent ici, arrêtez de nous embrouiller parce que vous êtes aujourd'hui à la tête. C'est parce que tout le monde ne peut pas faire des vidéos. Sinon, chacun n'a pas le fait. Mais on peut faire des vidéos. Mais ça même sensibiliser, ça suffit vers la fin. Sensibiliser, les gens vous suivent. Vos enfants vous regardent, la nation vous regarde, l'Afrique vous regarde. J'ai dit, les cyberactivistes là, la télé, les cyberactivistes aujourd'hui, c'est utiliser un effet tellement puissant que les gens ne savent pas quel est leur rôle au juste. On n'a pas envie d'entendre vos problèmes de fesses. Vous êtes trop vieux. D'autres ont des poils blancs, d'autres sont grand-père, d'autres sont grand-mère. Mais sensibiliser, il reste un an pour les élections. Prenez la toile, prenez Facebook pour sensibiliser le peu de personnes qui vous suivent, qui ont un cœur, qui ont envie de voir l'aboutissement du combat que M. Laurent Gbagbo, le président, vous a montré. Mais ne permettez pas aux autres cyberactivistes de se moquer de nous, parce qu'ils vont se moquer de vous. Aujourd'hui, quand M. Gbagbo parle, on dit, oh, vous les gars là, vous les histoires de fesses, oh, vous les gars là, vous êtes là, vous êtes des nœuds. Alors que personne n'est un nœud. C'est parce qu'on a envie de voir ce combat-là aller jusqu'au bout. J'ai mal. Hélas, j'ai mal. De voir des grands garçons, de grandes femmes, des poilus, des pères de famille se clasher. J'ai l'impression de voir Arafat et de Bordeaux. Mais la politique, est-ce que vous savez que la politique, si tu n'es pas mature, tu laisses tomber. Si vous êtes découragé du combat, vous laissez tomber. Ou bien c'est Gbagbo qui ne parle pas là, qui fatigue tout le monde. Vous savez que ça fragilise ceux qui vous suivent. Mais vous ne devez pas encore venir nous fragiliser parce que chacun a envie d'attendre la voix de Gbagbo. Mais arrêtez les querelles. Déjà, il faut trop de querelles. Ouais. On est, si ils sont devant toi, tu as envie de les fesser ou de les gifler, on ne sait pas ce qui se passe dans les têtes. Ce sont des enfants de 12 ans ou bien ce sont des vieilles personnes. Ce sont des personnes âgées ou bien des personnes adultes ou bien des personnes matures. Tous les vidéomans là. Mais attendez, mets à la fin. Mets à la fin. On en a marre, on en a ras-le-bol d'écouter toujours vos débats à la con. Mais vous avez oublié le combat, où il est passé. Vous avez oublié ce que Gbagbo vous a démontré. Mais Alassane Ouattara, même là-bas, il s'est montré. Il ne peut pas aller à Abidjan parce qu'ils se sont affichés. Mais ça suffit. Ça suffit. Il y a des gens qui ont tout perdu. Mais vous-même qui vous clashez. Vous avez perdu beaucoup de choses, vous ne pouvez pas aller à Abidjan. Les gens vont construire, il y a des gens qui vont voir leurs enfants, il y a des gens qui vont voir leurs familles. Mais vous avez envie d'aller les voir. Mais votre combat là, il n'est pas encore terminé. Il y a un début, on n'est même pas à la mi-temps, on n'est pas à la prolongation, on est à la fin du match, si on veut le dire ainsi. Gbagbo là, on monte, on descend, lieu bleu goûter, ils vont rentrer au pays. Mais commencez la sensibilisation, que vous faites la mobilisation jusqu'à son thème. Arrêtez de vous clasher, ils arrêtent. Ce sont tes amis, tu les vois, tu les touches, tu parles avec eux, vous parlez entre vous, mais sincèrement, faites un effort, qui nous épargne. J'ai bibulé. Oui. Ouais, c'est mes amis, mais moi j'ai aucun droit sur eux. Hein. Voilà, j'ai aucun droit sur eux. C'est vrai. Voilà, j'ai pas un droit sur quelqu'un. Voilà, mais... vraiment, je parle juste pour vous faire comprendre à quelqu'un, mais je ne peux pas imposer à quelqu'un sa position, son comportement. Voilà, moi, j'ai aucun droit sur quelqu'un, c'est tout. Voilà, moi, ce que je déplore, c'est que c'est l'image de Gbagbo, qui salit, qui me décourage. Sinon, moi, je suis un gars, j'aime la bagarre. Moi, c'est à cause de moi qui disait, il venait faire les paroles. Ils disent, non, je suis, attends, Choco, je suis, tant, je suis bêté. Et puis, c'est Batman, il a acclamé même. Il a pas créé la vidéo.
Mais quand on dit non, viens ici, à ma choco, ici, go, et puis on insulte Mataba ici, tu vois, c'est peut-être bizarre, moi ça me fatigue, tu vois. Et ça, à ce moment-là, j'aime les histoires, j'aime quand les gens se battent là, j'aime ça. Mais dans tout ça, j'aime pas. Parce que ça ne nous pas le président Laurent Gbagbo. Partant de là, j'ouvre un peu une parenthèse avant de terminer, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir, qui vont intervenir. Ouais, ouais. Mais tellement qu'on a mal, c'est pourquoi on parle. Je dis par exemple, je suis pouvoir Congo Daimani. Tu connais Congo? Bah ouais. Tu vois comment une vidéo se fait avec un esprit posé d'ouverture. Même Carole ici, nous sommes amis sur Facebook. Mais quand je la regarde, tu vois que c'est quelqu'un de sensé, quelqu'un de positif. Aujourd'hui, elle est ton invitée. Ah ouais. Lorsqu'elle parle, elle n'attise pas la haine, elle n'attise pas la jalousie, elle est beaucoup souriante. Elle peut parler à quelqu'un, il y a des gens qui peuvent parler à quelqu'un, et puis tu sais, les écoute. Même quand tu es fâché, tu te calmes. Mais eux, ils se clashent parce que chacun met son orgueil en avant. Mais c'est l'orgueil. Chacun pense qu'il est mieux que son ami, alors que nous sommes venus pour un combat. Mais terminez votre combat. Nous, ouais. on peut faire des vidéos, mais moi, si le jour où je fais une vidéo, ce sera juste leur dire qu'ils sont paix. Ils sont des enfants, que moi ils n'ont pas l'âge qu'ils pensent avoir être, la maturité qu'ils pensent avoir être, avoir ils n'en ont pas. Et je sais, je n'ai pas, quand je dis les noms, je parle de ceux qui pensaient qu'ils sont vraiment des gores. Gores là, vous avez utilisé pour dire Gbagbo ou rien. Mais mettez ça en exergue, parce que l'homme qui est Gbagbo avait un tempérament très fort, critique et logique pour aller dans le droit chemin. C'est là qu'il nous a envoyé. Et il nous a inculqué ça. Moi, je vais suivre toujours des vidéos qui peuvent rapporter quelque chose de constructif, instructif pour le combat. Et le reste, je pense que vous avez compris. Ma cloche. Merci comme ça à Taron. Et je veux dire, Taron, l'esprit de logique qui est positif. On verra. Et je veux dire merci à tous ceux qui suivent des singes. Au revoir. Tu gardes ta cloche, comme je t'ai dit. On a tellement dit, garde ta cloche, je m'en vais. C'est un reçu. Ok, à fond, on est ensemble. Ouais. Ok. Bon, Carole, je pense qu'on n'a pas un commentaire sur ce qu'il a dit. Il a tout dit. Il a tout dit. C'est ce que je voulais lui dire. Je voulais aussi le remercier pour le clin d'œil. Il a tout dit. Ouais, ouais. Parce que ce... Oui, vas-y. On prend un autre. Allô? Bonjour, Dessin. Bonjour, monsieur. Ok, donc moi j'aimerais intervenir d'abord. Et d'abord, j'aimerais d'abord te dire merci pour vraiment cette vidéo que tu as fait ce matin. Ouais, ouais. Personnellement, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais, tu ouais. vois, non. Il n'y a pas de problème parce que quand tu prends d'abord les cyberactivistes pro-Gbagbo, je tiens d'abord à vous féliciter. Pourquoi? Parce que ce sont des individus. Si par exemple, dessin animé, on le voit marcher dans la rue, là, il n'a pas de cortège, il n'a pas de quatre corps. Ouais, ouais. Mais quand tu viens sur sa page Facebook, nous tous on a des comptes Facebook, mais quand tu viens sur la page Facebook des dessins animés, tu vois qu'il a près de 100 000 et quelques abonnés. Ah ouais. Voilà. Et toutes ces personnes qui suivent dessin là, ces personnes-là ne le suivent pas à cause de son costume ou à cause de sa beauté, c'est à cause de son message. Ah ouais. Vous comprenez un peu. Donc moi, je veux dire d'abord que votre mission, vous avez réussi votre mission. Parce que votre mission est de communiquer, est d'informer, et de sensibiliser. Donc, si tu prends seulement, il n'y a aucun problème. Yeah, maintenant, ouais. récemment, tu as fait une vidéo où tu as parlé d'une alliance des cyberactivistes pour Gbagbo. Ouais, ouais. C'est bien. Maintenant, quand je viens au niveau même du problème actuellement, la division, les cyberactivistes pour Gbagbo se clashent entre eux là, ça ne va pas d'où. Ce n'est pas votre faute. Moi, je pense que c'est la faute aux dirigeants du FPI. Quand vous écoutez, moi, récemment, j'ai suivi, il s'appelle comment là, Yves Aipo. J'ai bien suivi ses vidéos, tout et tout. J'ai vu que ce qu'il disait là, c'était sensé. Vous voyez un peu le problème en réalité. Vous devez être encadré, vous devez être informé. Dans la mesure où aujourd'hui, là, c'est vous qui êtes le relais du message, comment dirais-je, c'est vous qui faites la propagande, comment dirais-je, de l'idéologie de Gbagbo. Donc les responsables du FPI, là, ils doivent vous respecter. Quand il y a des informations et autres, là, vous devez être informé. On doit vous prendre personnellement et puis on doit vous parler. Vous ne devez pas faire des sorties hasardeuses. Donc, ce qui s'est passé avec la visite d'Afusiata Bamba Lamine au président au ministre Charles Blé Goudé, c'est dû à quoi? Il devait quand même informer. Il devait les appeler à vraiment voici ce qui va se passer. Vous devez avoir les informations avant nous. Et
Une fois que vous avez ça, psychologiquement, vous êtes prêt, vous comprenez ce qui est en train de se passer. Ouais. Mais on va pas venir comme ça, des gens qui, ça fait des années, ils sont en train de travailler pour vous, ils luttent pour vous. Vous allez venir comme ça un bon matin, vous allez les démotiver, vous allez les mettre en palabre, tout ça. Tu comprends un peu ce que je lui ai dit, non? Ouais, ouais. Donc, moi, je demande pardon aux gens là, aux responsables du FPI, aux responsables du COGEP, UNG, tout ça là. Désormais, là, qu'ils prennent la peine quand même de vous accorder certain respect. Ouais, qu'ils ouais. vous consultent. Parce que vous êtes, c'est vous qui êtes un peu comme les porte-parole sur les réseaux sociaux. Donc, ouais. ça, c'était mon point de vue. Merci. Ok, ensemble. Ok, ensemble. Ok, ciao. Bon, Carole, t'as pas un commentaire à dire dessus? Il a tout, en fait, il a tout dit. Il a ah, dit, tu es distrait, tu es fatigué, mais. Non, non, je ne suis pas fatigué, je t'explique. Non. Ouais, du coup. Toi, tu dis que quand quelqu'un te. Il faut qu'il me pose les questions, parce que moi, j'ai posé deux problèmes. La mm-hmm. première, c'est d'arrêter de vous foutre en l'air, de vous foutre en rage, de vous foutre la honte. Vous êtes du même parti, vous êtes dans la même lutte. D'arrêter. Et la deuxième partie, c'est vous dire que 2020 approche. Quel est votre candidat? 2020 et qu'on arrête et que vous puissiez arrêter en fait de se bagarrer et de proposer allô? De rallier les Ivoiriens. Ouais, Nia, ouais, bon, on prend la vieille mère bien coucou, c'est qu'en direct. Ayoka. Bon, Nia. Oui. Ouais. Allez, je vous dis bonjour à tous. Hein. Ok, on te dit bonjour. Bonjour. Et puis, monsieur, pas celui qui vient d'intervenir, celui qui a intervenu avant. Ah, Zébribilé, Zébribilé. Voilà, il a très bien parlé. Parce que moi, franchement, je te dis, toutes ces personnes-là qui se prennent la tête avec ce bousier, ainsi de là, c'est des gens que je connais, pas, je parle physiquement, mais ils sont amis. Mais sincèrement, nous, Ivoiriens, nous pensons que Facebook, c'est pour faire ce genre de trucs, alors que c'est un outil de communication qui est grand. Bah ouais. Nous sommes, la Côte d'Ivoire est dans un état pas possible. On devrait se servir de cela, comme l'a dit le monsieur, sensibiliser. Ça sert à ça, faire des lives. Ouais, ouais. Mais de grandes personnes comme ça, tu les vois, mais, je dis, c'est tellement dépassé. Pour moi, je ne sais pas ce qu'on appelle la politique. Si c'est comme ça qu'ils font la politique, c'est un peu honteux. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'un leader politique qui vient et qui demande à croiser les Ivoiriens, mais c'est logique que les Ivoiriens aillent sur être monsieur, c'est pas monsieur Afingessa, c'est pas un vendeur de pain, hein. C'est pas un vendeur de souris au pays, hein. C'est un homme politique. Mais comme nous Ivoiriens, on a tendance à dire non, non, il est prêtre, il est comme ça. Nous ne sommes pas dans un tournoi de OASU. Nous sommes en politique. Ouais, ouais. En politique, il n'y a pas histoire de dire que hier, je n'ai pas parlé de dessin animé, il m'a manqué de respect, donc il va faire un colloque, par exemple, qui concerne la vie des Ivoiriens. J'ai dit non, je ne veux pas parce que je ne veux pas de s'animer. C'est plus la politique, ça. Ah ouais. Tu les vois, ils se disent qu'ils sont grands, c'est de grandes personnes, mais c'est dépassé. Ce maître-là, c'est insulté comme ça, c'est insulté. Alors que Facebook, c'est universel. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils sont vus, par exemple, ah non, mais c'est honteux. Franchement, je pense que ça va s'arrêter, et puis on va vraiment se mettre au travail, parce qu'on doit se mettre au travail. Comme elle a dit, elle qui est ton invitée, c'est-à-dire que réfléchis même à qu'est-ce qui va se passer pour 2020, ou bien est-ce qu'il y aura les élections, ou est-ce qu'il n'y aura pas les élections. Ah c'est ouais. ça le problème actuellement. Ah ouais. C'est de ça qu'on devait parler actuellement. Ah ouais. C'est de ça. Mais des histoires de fesses, des histoires pour rien. Je sais plus. Bon, en fait, après, moi, je me dis, en fait, je suis tellement déçu que. Parce que j'avais une image, je pensais que j'avais affaire à des personnes. Grand mur, mais bon, pour moi, sincèrement, même ça, je l'ai fait quand j'étais au Petit Bahut à Poitiers. J'étais au collège. Et c'est pas maintenant là où on dit on est politique. Ah ouais. Et on perd le temps à faire des histoires et puis on s'est dit que non, on est extrémiste. On est extrémiste pour dans quoi? Dans la bagarre, dans les histoires. Sinon, c'est pas en politique, je suis désolé. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a dit parce qu'il faudrait qu'ils arrêtent un peu. On se mette au travail vrai. Pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, s'ils n'aiment pas, si c'est pour venir sur la toile pour se faire connaître, c'est bon. Même la Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. Ok? La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants pour que ses enfants l'aident. Ok? Ouais, ouais. En sensibilisant, c'est-à-dire qu'il y aura 2020, c'est même pas le monsieur, il a dit dans un an. C'est même pas un an. On va dire dans 11 mois. Ouais. Nous sommes en novembre. Ouais. Voilà. Perdre de temps pour le. C'est pour cela, tu vois, c'est pour cela qu'on tourne en rond depuis. On tourne en rond depuis parce que il y a toujours.
Ouais. Voilà des trucs à deux balles. Quand tu regardes par une vidéo avec ton enfant qui est à côté, il dit, mais c'est honteux ça. Ben ouais. C'est vraiment honteux. C'est clair. Et à chaque fois, c'est la même chose. Tu vois que ça, bon, on va pouvoir en parler, ça va se calmer un peu, puis ça va répondre encore un autre jour. C'est pour cela que des animés. Oui, bien. C'est pour cela que tu me vois, je suis à Orléans, si tu me vois que je ne vais même pas à Paris, je ne vais même pas me mélanger. Parce que les gens, quand tu lis une amitié, quand tu te familiarises, ils ne savent pas, ils pensent que c'est, je sais pas, mais ça se préserve. Une amitié, on préserve l'amitié. Je dis qu'une relation, on préserve la relation. Mais eux, le fait de te familiariser avec eux, c'est fini. Quand on sait la marque de cigarette que tu fumes, c'est fini. Quand on sait le vin que tu bois, la marque, c'est fini. Tu as dit, tu as touché, toi tu fumes ça, toi tu es comme si... Oh non, mais c'est désolant, ça fait peur. Ça fait peur d'approcher les gens. Ça fait peur, vraiment. Ça fait vraiment peur d'approcher les gens. Parce que c'est pas ça la politique. Ah, on parle de 2020, on parle... Regarde, normalement, le samedi 2, là, il y a eu des événements politiques qui sont passés. On devrait débattre de ça. On devrait débattre de ça, parler de ça. Oui. Mais on parle pas de ça. On peut-être là-dessus, mais pourquoi on allait voir telle personne, pour ça on va se déchirer, alors que la personne qui est allée voir, là, c'est un politique. C'est pas un vendeur de piment. Hein. C'est un politique. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on appelle traite, qu'est-ce qu'on appelle manger, on a fait eux qui attribuent toujours des choses aux gens. Alors que eux qui sont là, qui parlent comme ça, ils ne sont ni décideurs, ils ne sont ni leaders politiques, ils n'ont pas un parti politique, ils ne sont que des citoyens ivoiriens. Ah ouais. Mais ils ont l'impression que ce sont des politologues, c'est la droite, ils ont l'impression qu'ils ont fait l'ENA, ils ont l'impression qu'ils savent qu'ils sont une équipe politique. Hey, Nia, c'est moi le seul politologue, c'est moi le seul. C'est moi le seul ici. C'est vrai que t'as l'air révolté, c'est moi le seul. Non, tu vois, on dit vrai. Ouais, ouais. C'est vraiment désolant, non, c'est ce que j'ai dit, rajouter plus dit. Vraiment, le monsieur qui a parlé avant l'autre qui vient de parler, Ok, on est ensemble. Ok. C'est fatigant, ok. Ok. Bon, et bien, je dis, Pourquoi t'as mis la perruque, majorité? T'es belle comme ça, t'as peut-être sans perruque, hein. Elle peut prendre la perruque. Elle doit être en bonne posture sur ma vidéo. Mais oui, tu t'es belle comme ça, perruque, parce que tu as perruque. Non, là, c'est bien. Je suis belle, t'es belle quand même, mais moi je préfère plus sans la perruque comme ça. Ça faisait vrai. Ok, mais je vous embrasse pour la perruque. Ok, ensemble. Okay. Yeah. Bon, je vais conclure la vidéo de ma tata. C'est tata? Ouais, c'est tata Béa. Tata Béa, je conclue ma vidéo. Merci pour ton intérêt. Je conclue ma vidéo en disant, avec ce que j'ai dit, 2020 arrive. Qu'est-ce que le parti de Laurent Gbagbo propose pour les élections 2020? De Laurent qui? De Laurent Gbagbo. Mais ça fait comment? C'est Gbagbo bien. Tu dis quoi? Tu fais comme les blancs? Oh, pardon, hein? Je suis baoulé, hein? Doucement. On dit pas Gbagbo, on dit Gbagbo. On dit Gbagbo. Je sais prononcer Kofi Kan, Gbagbo. Si je dis pas bien Gbagbo, ça fait quoi? Bon, depuis. Donc, merci Tata Béa pour ton intervention. On te dit merci, vraiment, c'est très sage. Et moi, je sais que je regarde tes vidéos, c'est toujours sage. Donc, Ivoirien, rallions-nous dans la paix. On peut suivre n'importe quelle partie, mais respectons-nous. Le respect est important. Les gens qui savent vraiment s'exprimer n'ont pas besoin d'injurer. Bah ouais. Nous n'avons pas besoin d'injurer. Il y a des gens qui parlent français, n'ont pas besoin d'injurer, ça fait mal. Bah alors, ouais. Essayons de nous cultiver avant de venir nous exprimer sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent comprendre ce qu'on veut dire. Bah voilà. Ouais. Ok, on répond à l'autre. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Allô? Oui, bonjour. On vous écoute. Il a mis son haut-parleur, okay, il est loin, il n'a qu'à se rapprocher du téléphone. Il est proche, on vous écoute, monsieur. Ok. C'est Charlie. Ouais, Charlie, trail boy. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bon, j'appelais pour saluer tout le monde et en même temps pour dire qu'actuellement, il y a des choses qui sont en train de.
de se passer, qui sont très mauvaises, quoi, en fait, hein. Qui sont très mauvaises, et déjà, c'est dans les rangs, c'est, enfin, nos rangs. C'est pour ceux qui se battent pour que la Côte d'Ivoire se retrouve, et à côté de cela, on a des perturbateurs, il y a des gens qui c'est devenu du n'importe quoi. Au moment où on doit être dur et on doit être soudé entre nous, c'est-à-dire entre nous, hein, entre Ivoiriens, on a des gens qui sortent de là qui disent qu'ils sont extrémistes. Mais déjà, un Ivoirien, à la base, n'est pas extrémiste. Ouais, ouais. On voit le pays non. lui-même, il y a plus de, on va dire, il y a peut-être 40% d'étrangers en Côte d'Ivoire. On ne peut pas être extrémiste avec les étrangers, mais alors pourquoi on doit être extrémiste entre nous, Ivoiriens, nous-mêmes? C'est ce que je ne comprends pas. Donc, ces gens-là, moi, je pense qu'il faut les boycotter, éviter leurs vidéos, ne prêtez pas attention à eux. À un moment ou à un autre, c'est eux-mêmes qui vont... Là, à force de leur prêter attention, ça leur donne de la constance, mais c'est du n'importe quoi. On a honte, ça fait pitié. Ça fait pitié. Mmh. 2020, c'est demain. On ne sait même pas quel candidat va être là. Il y a Soro qui est dehors. Il y a l'autre qui veut son troisième mandat. FPI, on ne sait pas ce que c'est. Nous, on est sortis dans la rue. Personne ne nous a cherchés parce qu'on a trouvé qu'il y avait une injustice dans ce pays-là et que le président qui était Laurent Gbagbo avait subi une injustice et la Côte d'Ivoire a subi une injustice. C'est pour ça qu'on est dehors. On n'est pas dehors pour se faire voir, pour savoir qui est le plus beau, qui est le plus mignon et tout ça. Et quand on voit, il y a certains qui ne mettent pas leur profil, leur vrai profil, leur photo, on peut le faire. Ce n'est pas qu'on a peur du gouvernement. Hein. Dès qu'on ne le fait pas, c'est parce que nous, on sait que nous, les Africains, on est mauvais. Il y a des gens qui peuvent gâter ton foyer, qui peuvent gâter ton travail à cause de ça. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça. Ouais, ouais. S'il y a d'autres communautés, si c'était une autre communauté... Mis à part les Africains, je ne parle pas ivoirien, mis à part les Africains, le problème de Laurent Gbagbo aurait été résolu peut-être dans l'année qui suit là où il a été emprisonné à La Haye, ça aurait été résolu depuis longtemps. Nous, on est désorganisés, on se tire dans les pattes, je ne sais pas ce qu'on cherche. Regardez Johnny, il a insulté Ouattara matin, midi, soir, pendant 8 ans. Ils sont venus le chercher, on ne sait pas avec quoi, à la rigueur, ça ne nous regarde pas. Il a changé de bord, de côté. Il est allé là-bas. Et il se sent bien là-bas. Chez nous, on se demande même si ces gens-là, c'est pas des... s'ils ne font pas exprès même, pour déranger la lutte et pour perturber les gens. Pardonnez. Ne les écoutez plus. Laissez-les de côté, ceux qui veulent faire leur connerie. Laissez-les. On n'a pas le temps pour ça. Il y a des gens qui se sont battus, ça fait 8 ans, qui bravent le froid, la neige, beaucoup de choses. Nous, Gbagbo, c'est pas nos parents, c'est pas un parent à nous, hein. C'est pas un parent de sang, hein, à nous, hein. Mais on fait ça parce qu'on aime notre pays, on aime l'Afrique, on aime ça. Donc ceux qui veulent pas rester tranquilles, laissez-les, d'accord? Et quand on dit la vérité, quand on regarde, t'as tout dit, dessin, c'est ça. RDR ne sont pas désorganisés comme ça, ils vont pas s'insulter comme ça entre eux. Les Soros, la même chose, et c'est qu'on dit pro-Gbagbo, extrémiste ci, extrémiste ça, mais ils sont malades, les gens. Je pense qu'ils sont malades. Ouais. S'ils sont fatigués, qu'ils s'asseignent, qu'ils se mettent en retrait. Il faut qu'ils aient un peu honte. Des vieux ils insultent. C'est même pas les trucs des papas qui insultent des mamans en train de traiter de je sais pas quoi. Mais est-ce qu'ils ont honte un peu? Bah ouais. Ils ont pas honte. Le jour, moi je leur dis, le jour où ils vont tomber sur les enfants de ces mères-là qu'ils insultent, là, il faut qu'ils assument. Il faut assumer. Moi je ne pousse pas à la violence. Hein, je dis... Il faut qu'ils assument après, hein. Parce que jouer les chocos, les je sais pas quoi, les je sais pas quoi, les extrémistes, nous on n'est pas racistes, hein. Quand ils parlent d'extrémistes, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Nous les Ivoiriens, on n'est pas ça. On veut les Ivoiriens, aujourd'hui c'est Ivoirien d'abord. Et on doit se retrouver entre avant homme politique, ouais. Exactement, et c'est pas extrémiste, hein, dedans. C'est nous d'abord, et après on va voir les autres. Mais comme ça là, c'est pas ça, hein. Je me demande s'ils sont même pas... complice avec Johnny Pacheco, MPA, tout ça là. C'est de ça que je veux parler en plus après, quand il aura fini. Ouais. Je coupe, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. On est toujours là, 2020 c'est demain, on va se battre pour notre pays jusqu'à où on doit aller. Et ça ira jusqu'au... Les perturbateurs, il faut les laisser de côté. Hein. Et respect à toutes les mamans ivoiriennes et africaines. D'accord? Amen. Le garçon qui va venir ici insulter une de nos mamans,
s'occuper de nous de lui. Ça, c'est clair et net. D'accord? Mais non, respectez les mamans. Sarli. Oui. Je suis l'une des premières à défendre. Tu as la même voix comme Dre Bonny, hein? Non, c'est pas Dre. Moi, ça peut en FaceTime, tu vois que moi, je ne suis pas Dre Bonny. Non, il a dit, tu as la même voix comme Dre Bonny. Je veux parler à la personne qui vient d'intervenir. Ok. Je vous laisse, ok. Bisous à tout le monde et bonne continuation. Ok, ensemble. Merci. Vive la Côte d'Ivoire. Ok, ensemble. Vive la Côte d'Ivoire. Ok, ciao. Ok. Merci de ton intervention. Je voulais dire quelque chose par rapport quand il a soulevé le problème de Johnny Pacheco. Non, mais quand vous parlez de Luis Momuya, ça fait la pub. Moi, j'aime pas ça. Quand... Non, j'en ai rien à foutre. Lui, il en a parlé. Je veux expliquer parce que tout ça fait partie des petits palabres dans votre propre maison. L'ennemi qui vient dehors, on va dire, créer la haine dans votre propre maison, c'est parce que la haine est déjà chez vous. Ouais. Johnny Pacheco n'a pas pu crier pendant 8 ans, Bago, et puis se réveiller. Et pour dire que non, lui, aujourd'hui, va manger Kabato. Non. Il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire qu'il va manger Kabato. C'est juste parce qu'il ne s'est pas senti aimé. Apprenez à vous aimer dans cette famille. Apprenez à vous aimer et à vous protéger. Parce que tous ceux qui sont autour, les hommes forts vont partir. Ils vont partir. Ils ne partent pas parce qu'ils n'aiment pas Bago. Ils partent parce qu'ils ont compris qu'ils étaient seuls. Ils sont seuls au milieu de tous dans cette lutte. Chacun se sent seul. Personne n'est accordé pour faire cette lutte. Il faut éviter les injures. Mettons, vous êtes une famille. Une famille veut dire qu'on doit se protéger les uns les autres et non pas se balancer juste parce que l'autre a couché avec la femme de celui-là et que celui-là, qui n'a rien, en plus des paroles qui n'ont rien à voir avec la politique. Ah ouais. N'ont rien à voir avec la politique. Ça gâche tout. Ouais. Ça gâche tout. Ouais. Donc voilà, bon. Ok. Je ne parle pas beaucoup de lui. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes en direct, là? Oui. Oh. J'appelle pour intervenir. Ok. Parlez-en donc. Ok. Bon. Ok. En fait, depuis que moi, sincèrement, vous savez, moi, je ne faisais pas la politique. Et depuis le pays. Je trouvais que au FPI, ça c'est selon moi, il y avait tellement de ce genre de trucs qui se passent. Et depuis plus d'une semaine, depuis quelques jours, nous suivons un truc sur les réseaux sociaux, les cyberactivistes du FPI qui se clashent, les mamans contre des frères, des papas. Mais vous savez, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, j'ai appris à aimer Bago à cause de vous. J'ai appris à aimer le combat du président Bago à cause de vous. Parce que au pays, c'est vraiment, je ne le suivais pas. Parce que je trouvais que les gens au FPI aimaient tellement les histoires. Mais je vous assure, quand je suis venue en France, et j'ai appris, vous, c'est ici même que j'ai appris à connaître le grand monsieur qu'il est. C'est ici que j'ai appris à découvrir. Et aujourd'hui, ça avait plein de regrets. Il dit, ah, monsieur là, il avait de telles pensées pour les Ivoiriens. Mais pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas accordé l'opportunité, on ne lui a pas donné l'occasion? Et ça me fait mal. Et je vais sur les réseaux sociaux, je vois, c'est vraiment les cyberactivistes que sont, FPI, les hommes, ils insultent. Moi, j'ai vu un débat sur, je ne sais pas qu'est-ce que Eleonore avait dit, mais il y a un Black Modo qui avait insulté Eleonore. Je vais l'insulter sans vaseline, je vais faire ça. Sincèrement, ça ne donne pas le courage aux gens de vous suivre. Nous qui commençons, nous qui apprenons à aimer l'homme, nous qui commençons à accepter le monsieur, ne nous offrez pas ça, ne nous donnez pas ça. Et c'est pas bien pour l'image du monsieur est salie. Parce qu'aujourd'hui, là, n'importe quel soir, tout le monde va se moquer de vous, hein. Tout le monde va se moquer et ceux qui arrivent seront vraiment découragés. Ils seront découragés. Et on est gagné par le découragement aujourd'hui. Aujourd'hui, au moins, je commence à m'intéresser. Je dis, ah, le monsieur, la voix, il avait si, c'est comme ça. Donc, c'est parti, là, voilà. Mais il y a tellement d'histoires. Donc, je voulais dire à toute personne, à tous ces cyberactivistes-là, de vraiment se calmer. De vraiment se calmer.
calmer. La politique, comme on dit, c'est un jeu, mais c'est quelque chose de très dangereux. Vous voyez, vous avez été des frères, vous êtes fréquentés, vous avez mangé ensemble, vous avez fait des marches ensemble. Mais aujourd'hui, pour des sujets, vous insultez sur les réseaux sociaux. Vous êtes des pères et des mères de famille, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc vraiment, je demande pardon à tout le monde. Je demande pardon à tout le monde de se calmer. Et aux mamans qui ont été insultées, là, de se calmer. Et que le combat, ils sont pas. C'est pas quelqu'un qui les a emmenés au combat, c'est Dieu qui les a emmenés au combat. Et c'est elles-mêmes qui ont décidé, elles sont venues. Et elles ont aimé la personne. Elles ont aimé la vision de la personne pour un pays. Donc elles le font avec leur cœur, elles le font avec tout. Elles le font de tout leur cœur, de tout leur amour, parce qu'elles aiment, M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Donc si elles ont été insultées, quelle est sa Dieu? C'est ce que je veux leur demander. J'ai entendu maman Sona qui parlait. Bon, moi, je lui demande pardon de laisser pour elle, de laisser, et que dans la vie, on grandit de certaines choses. Si elle laisse, elle aura tout à gagner. Elle aura tout à gagner. Et je leur demande vraiment pardon, de continuer ce qu'ils avaient commencé. Raison pour laquelle plein de personnes ont commencé, moi, on commence à s'intéresser à la politique, on commence à s'intéresser au combat de ce monsieur-là, et que les histoires, la bagarre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci pour votre intervention, madame. Ok. Bon, Carole, commentaire là-dessus. Commentaire à la suite, elle a tout dit. Pardon à tous nos mamans. Et j'en reviens au fait que tant que vous continuerez, tant que en fait chez les Gorges, chez FPI, vous continuerez à faire la guerre, il n'y aura personne pour vous suivre. À un moment donné, vous serez seul dans votre lutte. Parce que dans cette lutte, il y a eu de tout. Tout le monde est venu parce que c'est un homme de la Côte d'Ivoire qui était emprisonné. Et certains cyberactivistes ont amené les gens à être radicaux au point de choisir le RHDP ou d'aller ailleurs et quitter la famille des Gorges et quitter la famille qui soutient M. Laurent Gbagbo et qui veut sa libération jusqu'au bout. Après, qu'il soit éligible ou pas, ça, c'est plus à mon niveau. Il faut que la Côte d'Ivoire soit en paix. Voilà, prends un autre candidat. Non, mais 07 58 11. Aïe, il a appelé. Allô? Oui. Ça commence encore? Je suis là. Ok, on t'écoute. Hein. On t'entend bien. Non. Si. D'accord. Bien, je dis bonjour à tous les auditeurs. Je dis bonjour à Carole qui est là. Et bonjour. Puis bonjour à toi aussi. Ouais. Chers Ivoiriens, alors, ce serait juste pour apporter ma contribution, hein, c'était pour dire ceci. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que nous donnions un sens à chaque mot, c'est-à-dire à chaque expression qui sort de notre bouche, d'accord? Parce que les gens, depuis la création, depuis l'existence humaine, avec l'évolution du temps, ont pu créer ce qu'on appelle un vocabulaire. Voilà. Parce que même dans les Écritures saintes, il est dit quoi? Fait qui appelle un peu à la spiritualité, tout simplement parce que c'est ça même qui guide un peuple, hein, qui illumine un peuple, et puis qui lui donne sa vision politique, avant de parler de religieuse. Frères et sœurs, au commencement même était la parole, et la parole devint vie. Alors, quand je parle de vocabulaire, c'est quoi? On ne va pas aller chercher le sens étymologique, c'est-à-dire comme dans les dictionnaires, du terme paix, du mot réconciliation, et du mot pardon. Voilà. Ça, c'est des choses que nous connaissons tous. Mais ici, nous sommes invités à mettre en pratique ce que nous connaissons. C'est tout. Nous ne sommes plus à l'heure des guerres, des querelles. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu tant de clivages, hein, famille. Même si je ne nomme personne ici, mais je nous sais très intelligent et à même d'analyser mon message. Je demande quoi à tous les Ivoiriens, à tous les cyberactivistes d'or et à tous ceux qui se réclament du côté de
République, de la nation, qui disent qu'ils aiment le combat du président Laurent Gbagbo et au-delà. Sa personne, frères et sœurs, le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui a gros cœur, pour parler un peu comme à Trècheville ou le Cocotier. Le président Laurent Gbagbo, il n'aime pas parler. Moi, je ne sais pas si vous avez un peu remarqué. Ah, monsieur, c'est ça que là-haut. Le monsieur, il passe des accords. Il fait des compromis. Il a même utilisé des voies juridiques pour repousser notre constitution. Tellement qu'il est mu par le droit, la vérité, la constitution, les textes de loi que nous nous sommes donnés. Famille, quand on dit on aime ou pas, c'est derrière ou pas on est. Déjà même, pour ne pas trop durer dessus, j'ai entendu, tout le monde a parlé de ça, tout et tout. Famille, je ne sais pas que demain, je viens faire malin, mais honnêtement, on a trop de choses à faire pour que je parle de ce qui se passe sur la toile. Vous en avez déjà trop dit. Je pense que là, ça y est, ils ont compris. Ils vont prendre une douche froide, ils vont descendre d'un cran. C'est tout. Donc, je ne vais pas refaire la pub de ceux-là. Arrêtez. Respectez-vous et puis respectez-nous. D'accord? Bon. Mais moi, je veux rester dans l'essentiel du combat. Voilà. Ça, c'est plus important. Sortons des clivages. Oublions que hier, il y a eu la guerre, il y a eu machin. Oui, mais après tout ça, c'est la paix. Alors, quand nos frères qui nous avaient livré les hostilités, en un mot, la guerre hier, reviennent à de meilleurs sentiments et épousent notre idéologie, s'inscrivent dans le même objectif que nous, celui de la réconciliation, frères et sœurs, je dis, ouvrons-leur vos bras et soyons sereins. Voilà, il faut privilégier la nation. Poudou, au pas, on aime au pas là. Nous tous on aime au pas. Mais si on dit on aime au pas, aimons ce que au pas aime. Au pas aime la paix. Il aime la Côte d'Ivoire. Mais nous on aime la Côte d'Ivoire. Oui, bon, on fait quoi? Nos frères qui nous ont fait palabre hier, qui donnent un sens au mot réconciliation. Parce que c'est quand on a déjà fait palabre qu'on dit venez en s'asseoir, on fait la paix. Et puis on parle de réconciliation. Donc on se réconcilie avec qui? Et pour revenir un peu à la question de la sœur Carole, elle nous demande, on parle, on saute dans tous les sens là. Quel est notre candidat 2020, c'est demain. Ma sœur Carole, je vais te dire, je ne réponds pas pour tout le monde, mais honnêtement, je vais te donner un aperçu. Je pense que ça va un peu apporter de l'eau au moulin de ceux-là qui sont encore en train de sauter dans leur sac. Ils vont se calmer un peu. Okay. Et puis, ils ne vont pas parler très fort même. Ils n'ont qu'à se calmer. Frères et sœurs, quand la sœur Carole demande ça, là, c'est pour dire, nous disons, nous sommes d'or. Donc, notre candidat, c'est Gbagbo. Sinon, quelqu'un qui est du parti de Gbagbo, qui a l'aval et le soutien de Gbagbo, l'onction de Gbagbo, n'est-ce pas? D'accord. On propose qui? C'est ce qu'elle demande. Eh bien, moi, je vais essayer de lui répondre. En te répondant, c'est pour dire à ces personnes-là, on n'a pas encore libéré notre leader et puis le ministre Charles Bleu. On ne les a pas encore libérés. Ils sont acquittés. Nous-mêmes, on sait que ça veut dire vous êtes libre, rentrez chez vous. Mais ils sont maintenus. Et comme Fofa a dit, nous dirons jusqu'au bout, famille, on n'est pas encore au bout. Au bout, c'est ils sont retournés en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'opérer la réconciliation et un retour à une transition pacifique. C'est tout. C'est quand on arrive là, nous n'aurons rien au pas pour dire au pas, il y a quel bout encore. Lui, il va dire, mais c'est fini, on est arrivé au bout. Voilà, mais on n'est pas encore arrivé au bout. Donc, famille, pardonnez. Quand il y a des acteurs politiques qui viennent, parce que moi, c'est tout ça, je vais expliquer un peu et je vais terminer. Quand il y a des acteurs politiques qui viennent, qui sur l'échiquier politique national, c'est-à-dire ivoirien, ne sont pas des moindres. Des gens qui ont dirigé nos institutions, notre pays, excusez-moi, quand tu nous invites à la table des institutions, je pense que ça veut dire que notre travail a porté fruit. Alors, on ne va pas venir le ternir ici avec des petites querelles intestines ou, insipides. On n'est pas là pour distraire les gens sur la toile. C'est pour ça que parfois je vous appelle à épouser cette phrase-là. Frères et sœurs, on est en politique. On n'est pas en train de faire soler la placalie de vous. On est en politique. En politique, là, on fait comme en politique. On ne fait pas comme en famille. Non. Ce qui t'arrange, famille, ça ne te dérange pas. Le mot même le dit, ça t'arrange. Mais comment ça peut te déranger? Mais ce qui ne nous dérange pas, là. Ah, les gars, c'est dans le même sens aussi. C'est que ça nous arrange. Ah ouais. Voilà. Donc, discutons avec les gens. Pardonnez. Sinon, Poudou, il va sortir. Après, ils vont sortir, les deux. Ils vont vous détiencer, hein. Parce qu'ils vont causer avec ceux avec qui vous ne parlez pas. Et j'aimerais rajouter un peu quelque chose sur notre ami et frère Amira Blindé pour terminer. Amira Blindé, franchement, mention spéciale. Voilà, c'est quelqu'un avec qui je n'échange pas beaucoup sur la toile, mais mention spéciale. Parce que toi, pourquoi je cite ton cas? Ce n'est pas le fait d'Amira Blindé, ta personne. Tant mieux, tu es un frère ivoirien. Mais frère, c'est que tu fais fi
mes oignons. Derrière vous, les mâles et souris, je demande 50. Je pense que tout ira mieux. Mes frères et sœurs, bon, pour terminer, je vous envoie ce message. Pardonnez, décrispez un peu vos cœurs. Déliez vos cœurs, dénouez-les. Détendez-vous, s'il vous plaît. Bambo construit, il n'aime pas parler, il n'aime pas la guerre. C'est pour ça qu'il a pris article 48 de notre constitution pour que Draman se présente. Donc, si nous, Draman est venu à la guerre, mais on veut l'accompagner en paix, quitter notre pays en paix. D'accord? On aime Oukoué, on aime Gbagbo, on aime notre pays là. On n'a qu'à essayer de coller les deux. Oukoué nous a parlé de paix. Gbagbo nous parle de réconciliation et de démocratie. Donc, on va joindre tout ça et puis on va faire plaisir à la Côte d'Ivoire. Le pays nous regarde. J'étais animé, Carole, chers auditeurs, de mes oignons vous saluent. Et vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Ok, ensemble, champion. Merci pour ton intervention. Merci, okay. Tu as tout dit. Hein. Okay. Tout ce qu'il a dit, ça appartient au bord. Ok. Ouais. Bon, les gars, il est 1h52 minutes qu'on en direct. J'en arrive. Pour lui, dans ouais. La réponse de notre. Pour lui, mm-hmm. Vous n'avez pas de candidat pour 2020 parce que vos candidats sont encore à Bruxelles. C'est bah ça? Ouais. Ouais. Ok. Ça marche. Alors, continuons de proclamer un message de paix et de démocratie plutôt que de haine et de vengeance future. Yeah. Voilà, c'est ma conclusion aussi. Bon, Carole, toi, tu as fait vidéo, tu as mangé gâteau tout à l'heure. Là. C'était pas tu as dit que tu as faim, quoi. Voilà, tu as mangé riz au lait. Bon, ça fait 1h52 minutes que c'est en direct. Il n'a jamais été en direct pendant une heure. Je ne parle pas à l'homme pendant une heure. Voilà, mais. Dans son céleri. Ouais, parce bon, que. Je vais quand même remercier les auditeurs et puis je vais te laisser. Non, on va couper ensemble parce que moi, il commence à avoir fait maintenant. Ok, ouais. Ben, je dis merci. Merci à vous, famille. Merci à toute politique, famille politique qui était connectée sur le direct de Dessin Animé. Sachez que la démocratie, c'est ça. C'est de pouvoir qu'on ait pu on puisse parler autant dans la salle. De Gbagbo, de Sorogium et de Afinguesan, tout le monde, de vous descend haine parce qu'on n'est pas du même parti et qu'on n'aime pas la même personne. Il faut apporter plus les idées que d'être dans la confrontation, dans la vengeance et la haine. C'est tout ce que j'ai à dire. Restons ivoiriens parce que nous le sommes. Ouais. Nous ne sommes pas notre nationalité nous a pas été donnée par les hommes politiques. Nous sommes nés ivoiriens. Ce ne sont pas les hommes politiques qui viendront nous dire qui nous sommes et de quelle origine nous appartenons. Leur vie politique ne nous appartient pas. Nous sommes là pour faire en sorte que chaque Ivoirien puisse trouver sa place en Côte d'Ivoire. Et non pas le contraire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un seul peuple. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est là. Alors mettons la main dans la main. Proposons plutôt que de gâcher. Ce qui on casse, on ne peut pas le réparer. Il y a toujours des fissures. Alors faisons attention parce que sinon 2020 va venir tous nous surprendre. Nos enfants, nos parents sont là-bas. Il y a des intérêts. Certains ont perdu leurs intérêts. Il y a d'autres qui ont encore des intérêts. Les gens continuent d'envoyer les gens là-bas, investis malgré qu'on a peur. Alors pensez à toutes ces personnes qui n'ont pas les moyens de recommencer leur vie tous les jours à zéro à cause de vos hommes politiques. Merci. Ok. Bon, lui, l'appel va rester dans le vent, hein, parce que ouais, là, ça fait 1h55. Bon, je vais vous laisser. Et j'espère que le message, il est passé. Donc, il est préférable et souhaitable que les pro-Gbagbo arrêtent de se chiffonner aux yeux et au-dessus de tout le monde, car ça ne n'a pas l'image même du président Laurent Gbagbo. Sur ce dessin animé, le ministre va prendre congé de vous. Voilà, et que on est ensemble. Ciao, ciao.